Hey, ça va chauffer. Oh. Ok, déjà en live. Alors, je suis déjà en live TikTok et Facebook. Alors, bienvenue la famille. Bienvenue à ceux qui sont déjà en train de se connecter. Le rituel habituel doit être mis en application. C'est-à-dire, on like, on partage, on invite les amis. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ce qui se passe dans notre pays actuellement est tellement drôle que, n'est-ce pas, si je ne viens pas faire les décryptages avec vous, je ne sais pas qui le fera. Mais avant de commencer ce décryptage, on va chanter une musique illustrative. Non, parce que si je chante la musique là, les gens là vont trop s'énerver. Ils vont trop s'énerver. Non, mais je chante quand même. Koudounio e, koudounio yaya e, koudounio e, koudounio yako, koudounio e, koudounio yaya o, Abidjan aujourd'hui, tout le monde attrape la tête, ça parle dans le vide, on dirait début de folie, ne vous trompez pas, c'est affaire de cellulaire. Avec tout ça, on se plaint qu'il n'y a pas de travail. Koudounio travaillait au quartier du plateau. BCBG, Koudounio voulait pas gérer. Ordinateur crédit, deux femmes, deux maîtresses. Tout ce bagage pour un salaire de 50 000. Koudounio, Evan Rhodes me dit qu'il faut d'abord que j'attende, qu'il ne chante pas encore, que j'attende d'abord, il partage. Alors, partagez d'abord. Partagez d'abord. Quand on se plaignait, Koudounio répondait, chaque caïman a son nom, les oiseaux volent pas plus. Hein? Il dit quoi, pas plus mage, il n'a pas fini de voler, la retraite est arrivée. Comme la mort est pour le surprendre dans la joie, Koudounio retraité n'a pas 36 solutions. Il vide son salon qui devient maison de Dieu, ses nombreux enfants devenus enfants de cœur. Pour la gloire du Seigneur, il est devenu pasteur. Mais il y a les bons pasteurs et les bons pasteurs. Sa bouche sucrée, il prêchait comme Jésus, mais ne soyez pas surpris, vous-même vous le savez. Il y a des gens à Abidjan qui ne peuvent pas voir l'église passer. 2 mois sans miracle, il a ruiné ses agneaux, enceinté ses fidèles, abandonné ses enfants. Aujourd'hui où je vous parle, Dieu seul sait. Dieu seul sait où Koudounio est rentré. Il y a un pasteur là à l'église de Tinga actuellement qui a signé un pacte avec le diable. Et aujourd'hui, quand la nourriture est finie sur la table, il est maintenant devenu le dessert. C'est-à-dire, c'est lui que le diable a décidé de consommer en dessert. Et c'est ça. Quand tu signes un pacte avec le diable, attends-toi à te faire bouffer à un moment ou à un autre. On le lui a dit. Il a dit qu'il maîtrise. Eh bien, maintenant, maîtrisez, monsieur. Partagez, les gars. Mettez maximum de cœur. Partagez. Dès qu'il y a le monde là, on commence avec les activités de décryptage très, très, très sucrées. Pour ceux qui ne le savent pas, le pasteur de l'église de Tinga, j'ai nommé monsieur Eto, s'est réuni en comité très, très, très sérieux et très, très, très restreint aujourd'hui, afin de prendre une décision. Et je m'en vais vous lire la décision du comité d'aujourd'hui, parce que pour la petite histoire, virgule, un sélectionneur a été mis à la tête, n'est-ce pas, de l'équipe nationale du Cameroun par le ministère des Sports et le gouvernement du Cameroun, n'est-ce pas, sur ordre du président de la République, Paul Biya. Samuel Eto'o, lui, il n'était même pas au courant. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a juste publié à la CIA TV, la télévision nationale, que l'équipe nationale de football du Cameroun a un nouveau staff technique, autant pour moi, avec à sa tête un sélectionneur, un entraîneur-sélectionneur, et tout le staff médical et encadrement technique, tout ce que vous connaissez. Lui-même, Eto'o, il était très surpris de cette nomination.
Le gars, derrière, il dit que il signe un communiqué, lui-même et tout, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire, derrière, il signe un communiqué pour dire que l'affaire que le gouvernement du Cameroun a nommé un sélectionneur à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun sans son accord ne l'arrange pas et il tient à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit d'abord lui demander son accord, il approuve avant qu'on signe quoi que ce soit pour quelque entraîneur que ce soit. Et donc, il décide de ne pas prendre acte de cette nomination. Parce que, selon lui, la Fédération Camerounaise de football est un organisme indépendant. C'est-à-dire que c'est lui, le président de la Fédération Camerounaise de football, qui prend toutes les décisions unilatéralement en ce qui concerne le football camerounais. A-t-il raison? A-t-il tort? Le match-là est en train de se jouer. Je vous ai expliqué ici, là, hier, en quoi est-ce que le gars se trompait. Parce que ça, c'est le résultat, n'est-ce pas, du fait que quelqu'un arrive à un poste, au lieu de nommer des gens compétents autour de lui, il nomme des amateurs et des vauriens. Par exemple, Ernest Obama. Quand tu nommes des amateurs et des vauriens autour de toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'embrouilles avec les textes. Pourtant, les textes-là sont là, bien à la disposition de tout le monde. Et ensuite, tu veux donner des leçons de droit à un professeur éminent de droit, l'un des meilleurs professeurs de droit du Cameroun, Mouéli Kombi. C'est lui qui est ministre du sport aujourd'hui. C'est un très grand professeur de droit. Donc, lorsqu'on parle de droit, d'articles de loi et tout, en termes d'interprétation, tes petits conseillers juridiques, tes copains et tes copines que tu as mis autour de toi là. C'est-à-dire tu n'as pas regardé la compétence. Tu as juste regardé c'est-à-dire l'amitié que vous avez entre vous, le copinage que vous avez entre vous. Tes petits conseillers juridiques que tu as mis entre vous là, ils ne sont pas au niveau de Mouéli Kombi. Il faut le dire quand même. En ce qui concerne le droit au Cameroun, quand on parle du droit, on parle quand même du professeur Mouéli Kombi. Donc vous ne pouvez pas venir lui enseigner le droit. C'est impossible. C'est un peu comme si un petit fanatique veut venir enseigner le droit à Maurice Kamto. C'est impossible, vous ne pouvez pas, c'est son domaine. Et donc, quand Mouéli Kombi interprète le droit, un article de loi, essayez de bien réfléchir et de dire, est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce que dans le cas d'espèce, la personne qui peut facilement se tromper en ce qui concerne les textes de loi dont vous entendez, que ce soit les conventions, que ce soit les lois, là, c'est Eto'o et ses amis. C'est eux qui peuvent facilement se tromper dans le cas échéant. D'ailleurs, je vous dis, les documents administratifs sont très illustratifs de la situation. Je vous explique. Quand la FECAFOOT parle d'un article de loi, il ne mentionne pas l'article de loi en question. Par contre, là où Mouéli Kombi a parlé de l'article de loi, il a mentionné et il a cité l'article avec tout son contenu. Chose que dans tous les communiqués de la FECAFOOT, ils ne font pas. Ils disent seulement l'article de loi de 2014-384 du quoi décembre de il quitte. Or, quand Mouéli Kombi, lui, il est venu dans son document administratif, c'est-à-dire le document de Mouéli Kombi engage l'État du Cameroun, donc ça m'engage, ça engage tous les Camerounais, ça engage le gouvernement et l'État du Cameroun. En fait, ils sont là pour gérer les comptes de l'État du Cameroun, c'est-à-dire toi, moi, nous. Et donc, le communiqué ministériel publié par le ministre des Sports, par le ministère des Sports, est bien clair. Et il a mentionné l'article qui lui donne le droit de mettre à la disposition de l'équipe nationale du Cameroun un encadrement technique, un entraîneur, un staff en réalité. Et il a cité l'article, il a donné le contenu de l'article qui est vérifiable partout. Ce n'est pas les choses que quelqu'un vient et dit. L'article 386 de cela dit que. Non. L'autre est venu, il vous a dit sur quoi est-ce qu'il s'est basé. Il vous a mis le contenu. Il a mis le contenu. Le contenu. Entre les deux, on va prendre qui au sérieux et laisser qui? On va prendre qui au sérieux et laisser qui? Voilà. Et donc, il y a une convention qui a été signée entre l'État du Cameroun et la FECAFOOT.
Et dans cette convention-là, il est bien stipulé que pour les petits amateurs, attendez, je vais un peu encore bien vous. Parce que cette convention-là était même Eto'o lui-même qui se plaint aujourd'hui, il a approuvé. Hein? Il a approuvé. Ce n'est pas une affaire qu'on dit que, voilà, on est en train de vouloir le tromper ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose que lui-même, il a approuvé. Et c'est sur cet article-ci, excusez-moi, je vais tourner la caméra. Comme ça, chacun va pouvoir lire. Hein? Oh my God, attendez. Oh. Ouais, c'est comment la tablette. Voilà. C'est cet article-ci. Excusez-moi, les gars de Facebook, là. Je vais aussi vous mettre comme ça, vous allez aussi un peu voir, n'est-ce pas? C'est cet article-ci. C'est sur cet article-ci que Mwele Kombi se base pour dire tout ce qu'il dit là. Pourquoi est-ce que c'est un peu flou? Oh my God. Donc, attendez, pour Facebook, je ne sais pas comment il va placer le truc, donc je vais devoir vous lire ça. Hier, je vous ai déjà lu ça, donc je vous ai déjà lu. Oh, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je vous ai déjà lu ça hier, donc je vais vous lire ça aujourd'hui pour les gens de TikTok, comme ça vous allez bien voir. Voilà donc l'article cité par Mwele Kombi, qui lui donne le droit de mettre à la disposition de l'équipe nationale de football du Cameroun un staff. Article 9, voilà ça. Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire. Parce que c'est ça que les gars refusent de vous dire. On dit bien, après avis obligatoire du ministre chargé des sports. Voilà ça. Donc, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Donc, ça veut dire que l'État peut décider de laisser le président de la FECAFOOT signer un contrat avec un entraîneur. Tout ce que l'État a à faire, c'est juste approuver. C'est tout. Il approuve que, ok, vas-y, tu as choisi l'entraîneur, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Étant donné que c'est l'État qui paye, c'est l'État qui sort l'argent des caisses de l'État pour payer ces gens-là. L'argent ne sort pas des caisses de la FECAFOOT parce que l'équipe nationale de football appartient à l'État. C'est l'État qui paye les entraîneurs, ce n'est pas la FECAFOOT. Donc, on revient encore, on dit, le recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, virgule, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qui a été fait. C'est là, en noir et blanc, devant vous. Dans le cas d'espèce, c'est ce qui a été fait. Les salaires de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints des sélections nationales de football sont payés par l'État. Sont payés par l'État, par l'argent du contribuable. Les salaires des membres des structures d'encadrement mises à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. Les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutées sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. D'autres. Mais c'est bien précisé ici. Le salaire de l'entraîneur principal et des autres membres de la structure d'encadrement mis à la disposition. Ils sont tous payés par l'État.
Je remets pour que vous voyez ma vieille tête. Voilà. Je tiens à vous préciser que lorsque nous avons demandé justice pour Martinez Zogo ici, c'était au même gouvernement. C'était au même gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on supporte le gouvernement. On demande justice pour Martinez Zogo. Point barre. C'est tout. Parce que notre État est censé fonctionner, non? C'est ce que vous nous expliquez ici tous les jours. Qu'il faut respecter les institutions, il faut respecter les textes, il faut respecter la loi. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous demandons aussi aujourd'hui, respecter la loi. Quand tu pars t'arranger avec les bandits, le jour où ça te mord, tu t'attends à ce qu'on vienne te soutenir? Non. Respecte. Respecte ton engagement. C'est aussi ça qui fait un grand homme. Un grand homme, c'est celui qui sait assumer ses responsabilités. Donc, respecte tes engagements, tout simplement. Et ce que moi j'ai dit aujourd'hui, c'est quoi? N'est-ce pas? Parce que il y a, ils ont mis ça même où là, bon. Ils ont fait une réunion aujourd'hui, pour, à la FECAFOOT, n'est-ce pas, pour décider de ce qui va se passer avec les équipes nationales, nanani, nanana, avec les entraîneurs, c'est monté, c'est descendu, patati, patata. Je tiens déjà d'abord à vous rappeler que ce que Samuel Eto'o a fait d'abord est très grave. Pourquoi? Parce qu'il part prendre un entraîneur comme Hervé Renard. Il vient proposer à l'État du Cameroun comme sélectionneur national. Et il dit que Hervé Renard aura besoin de 1,6 milliard par an. 1,6 milliard par an. 1,6 milliard par an. Et toi, tu es sérieux? Tu dis que tu te soucies du bien-être des Camerounais. Tu te soucies du bien-être des Camerounais et tu viens avec un entraîneur qui va nous prendre 1,6 milliard par an. Et après, tu demandes au ministre des Sports, au gouvernement, tu leur dis de mettre à disposition l'argent de l'entraîneur 48 heures avant que l'entraîneur ne prenne les fonctions. Pourquoi? Hervé Renard n'a jamais touché cet argent de toute sa carrière. Le plus gros salaire de Hervé Renard, c'était 500 000 euros l'année. 500 000 euros l'année. Le plus gros salaire de Hervé Renard, c'était 500 000 euros l'année. Mais là, on est déjà à presque 2 millions d'euros, je ne sais pas trop. Le plus gros salaire d'Hervé Renard, c'était 500 000 euros l'année. Le SMIC du Camerounais, c'est 40 000 aujourd'hui ou c'est 40 000 ou 42 000, je ne sais plus trop. Le Camerounais lambda qui vient sur Internet en train de soutenir, oh Samuel Eto'o, le pititi, l'envoyé de Dieu, le machin, c'est monté, c'est descendu. Et donc le pititi dont vous mentionnez tous les jours là, estime que quelqu'un qui va venir, n'est-ce pas, parce que l'équipe nationale de football, ce n'est pas tout le temps. Donc, quelqu'un qui va venir essayer d'encadrer les lions indomptables du Cameroun, peut-être quelques fois, quelques jours par an. C'est-à-dire qu'il sera au Cameroun, autre, peut-être 5 fois ou 6 fois. N'est-ce pas? Il va venir, vous allez partir aux compétitions, ensuite il va mettre des petites stratégies de jeu. Qu'il gagne ou qu'il perde, il doit avoir un salaire annuel d'au moins 1,6 milliard. Pendant ce temps, vous, les Camerounais, vous touchez 40 000 francs. Je me serais attendu que Samuel Eto'o vienne avec un entraîneur qui va peut-être demander peut-être 5 millions même par mois, même si je trouve que c'est toujours beaucoup, mais peut-être 5 millions par mois, comme ça. Là, je vais dire que oui, Eto'o est vraiment en train de changer les choses. Il ne faut plus dilapider l'argent comme ça. Là. Mais non, il vient avec des entraîneurs qui demandent, qui ont des exigences salariales au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire, je ne sais pas, l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais eu un entraîneur qui a demandé autant d'argent. Jamais de la vie. Ça n'a jamais existé. Mais avec Samuel Eto'o aujourd'hui, ça existe. Et oui, ça existe. En allant t'acoquiner
Mon cher, en allant t'acoquiner au détriment du peuple camerounais qui souffre, en allant t'acoquiner avec ces gens, ces bandits, ce gang de braqueurs, tu savais très bien qui ils étaient. Et d'ailleurs, tous les vice-présidents de la FECAFOOT sont des membres du RDPC. Que ce soit les maires, les machins du RDPC, tous les vice-présidents de la FECAFOOT sont les membres du RDPC. Madame Eko Mendomo Céline, première vice-présidente, elle est membre, elle est cadre du RDPC. Cadre du RDPC, la première vice-présidente. Il y a encore un autre quatrième vice-président là aussi qui est cadre du RDPC. Donc ça dit, tu arrives à la tête de la FECAFOOT et ceux que vous choisissez comme vice-président, ce sont les membres du RDPC, le parti au pouvoir. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez qu'on est bête? Et le premier voyage de Samuel Eto'o après sa victoire à la tête de la FECAFOOT, c'était à San Milima pour aller remercier l'un des plus grands RDPCistes qui n'ait jamais existé au Cameroun, où il s'appelle Kwakwa Isian. Eh oui. Donc, en fait, c'est le RDPC qui gère la FECAFOOT. C'est le RDPC qui gère la FECAFOOT. C'est le RDPC qui l'a placé à la tête de la FECAFOOT. C'est le RDPC qui l'a soutenu. D'ailleurs, c'est ce que Paul Biya lui avait promis en 2018. Je vous ai dit ça ici. Donc, quand il est parti s'acoquiner avec ces gens, il ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient lui faire. Il ne peut pas dire ça parce que nous, on avait averti. Mais comme lui, il regardait seulement ses intérêts, il n'a pas regardé, à aucun moment, il n'a regardé les intérêts du peuple camerounais. Il est parti s'acoquiner avec des gens qui tuent le peuple camerounais depuis des décennies. En pensant nous narguer. Sauf que mal lui en a pris. Il a voulu monter sur ses grands chevaux en disant qu'il est le grand Samuel Eto'o, rien ne peut lui arriver. Voilà ça qu'ils sont en train de lui prouver le contraire maintenant. Ils sont en train de lui démontrer qu'il n'est rien. Et qu'ils sont en train de s'employer inlassablement à le nuire. Voilà. Et donc, il y a eu une réunion donc, à la FECAFOOT, comme j'étais de Disance. Et voilà donc ce qui a été dit. Ils disent quoi? L'an 2024 et le 6 du mois d'avril s'est tenu au siège de la Fédération Camerounaise de Football à Yaoundé une session ordinaire du comité d'urgence de la Fédération Camerounaise de Football sur convocation de son président, M. Eto'o Fils Samuel. Outre M. Eto'o Fils Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Mme Eko Mendomo Céline, première vice-présidente, M. Abdoul Karimou, deuxième vice-président, Monsieur Djampi Arthur, troisième vice-président. Sauf qu'il y avait un quatrième vice-président qui était mentionné là. Et le quatrième vice-président dont je vous parle, qui est maire du RDPC, il s'est dédouané. Il a dit qu'il n'est pas dans les histoires là. Et donc, ils ont encore republié encore un autre communiqué. Donc, ils disent quoi? À l'unanimité des membres présents, le comité d'urgence constate qu'au mépris des textes visés plus haut, la FECAFOOT n'a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation en date du 2 avril 2024, les membres de la structure d'encadrement de la sélection masculine à Senior Fagnon, c'est-à-dire l'équipe nationale. Et donc, à l'unanimité, les membres présents, n'est-ce pas, le comité d'urgence recommande au président de la FECAFOOT de lui soumettre, en application des articles tant, des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football dans un délai de 72 heures. Donc, en fait, ils sont en train de lui dire que, OK, il faut que tu nous amènes des entraîneurs et on va choisir un parmi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Sauf que, comme je vous ai expliqué, dans ce procédé-ci, ils sont tout faux. Ils ont tout faux parce que je vous ai montré l'article-là. Que ce soit la loi ou la convention, peu importe ce que vous dites, cet article-là, c'est ça qui prime devant tout. Et c'est une convention qui a été signée entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. Parce que je vous rappelle, à vous tous les fanatiques, que l'équipe nationale du Cameroun est la propriété exclusive de l'État du Cameroun.
Et donc, on a juste confié la gestion à la FECAFOOT. Je vous rappelle que la personne qui paye l'entraîneur et le staff dont on parle, c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui paye le salaire de l'entraîneur et du staff d'encadrement. C'est l'État du Cameroun. L'équipe nationale de football du Cameroun a été confiée. La gestion de cette équipe a été confiée à la FECAFOOT. Donc c'est genre, j'ai ma boutique et je te confie la gestion. Ça ne veut pas dire que tu es propriétaire et que c'est toi qui prends toutes les décisions. Et le personnel qui sera en charge d'accompagner cette équipe nationale est payé par l'État du Cameroun. Est payé par l'État du Cameroun. La FECAFOOT n'est que gestionnaire de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, je répète encore à tous les sous-fifres qui nous écoutent ici tous les jours et qui vocifèrent à longueur de journée, c'est la propriété exclusive de l'État du Cameroun, du peuple camerounais. C'est la propriété de l'État du Cameroun. Et le nom Lion Indomptable du Cameroun est une marque déposée. Donc, tout ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, l'État du Cameroun a un droit de regard et a la dernière décision. On ne parle pas là des affaires internes de la FECAFOOT parce que c'est là où les petits marmailleurs des réseaux sociaux et autres veulent vous embrouiller. À aucun moment, l'État ne s'est immixé dans les affaires de la FECAFOOT. L'État parle de l'équipe nationale de football camerounais. Ça n'a rien à voir avec les affaires internes de la FECAFOOT. Ça, c'est la vérité. Que ça vous plaise ou non, c'est ça. Et on s'en fout de vos... C'est-à-dire, si vous êtes trop fâché, buvez un verre d'eau. Et vous partez vous coucher. Christian dit Nicolas, je vous dis encore que le sélectionneur est payé par l'État du Cameroun. Donc, si vous estimez que c'est la FECAFOOT qui doit nommer un sélectionneur et un encadrement des Lions Indomptables, et bien que la FECAFOOT assure le salaire, comme la FECAFOOT assure le salaire de tout son staff, que la FECAFOOT paye donc le sélectionneur, que la FECAFOOT paye le staff technique des Lions Indomptables et on quitte sur ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez toujours tendance à refuser l'utilisation de votre cerveau? Hein? Où est le problème là-dedans? Dans ce cas, puisque Eto s'entête, eh bien soit, si c'est moi à la place du gouvernement, j'ai dit, bon écoutez, ça va nous faire une source de dépenses, autant pour moi en moins. Donc, puisque Eto ne fait qu'insister au mépris des lois, qu'il sélectionne alors un entraîneur et un staff technique, et ensuite qu'il s'assure de leur payer le salaire qu'il demande, c'est-à-dire les 1 milliard d'euros par an, les machins, trucs là, de francs par an, les 1 milliard et 600 millions de francs par an, qu'il les paye et qu'on quitte sur ça. Ce n'est pas fini. Le problème est fini. Le problème est résolu, non? À quel moment est-ce que tout un gouvernement doit être soumis à la volonté de quelqu'un qui est à la tête d'une fédération? Mais vous êtes, qu'est-ce qui ne va pas souvent même dans la tête de certains zignans, non, mon frère? Mais ce n'est pas possible. Vous trouvez ça logique, même dans le sens de la logique, que quelque chose qui concerne l'État du Cameroun, c'est un individu à la tête d'une fédération qui a le dernier mot, mais vous entendez même. C'est vrai que le Cameroun est pourri, gâté, mais quand même, il y a un peu de logique dans tout. Et si ça se passait comme ça, c'est que vraiment, c'est la catastrophe. C'est que c'est la catastrophe. Mon problème ici, avec le gars, c'est qu'il encourage non seulement les gens à continuer de soutenir le Popol. Et d'ailleurs, l'autre jour, il n'y a pas de cela, un mois, il était sur France 24, il a dit qu'il va encore soutenir Popol, qu'il assume ses choix, qu'il arrête de pleurer, qu'il assume ses choix.
Pendant que dans des autres pays, les icônes nationales essayent de soutenir le peuple, vous avez un farfelu parce qu'il a couru derrière un ballon. Il vient soutenir Mordicus, quelqu'un qui a détruit notre pays depuis 42 ans. Et vous voulez que je lui fasse des cadeaux par rapport à quoi? Qu'il assume ses choix. Parce que c'était lui qui nous disait, nous on est resté, on n'a rien demandé. C'est lui qui vient, il nous dit, Ngongo c'est son grand frère, il cause tous les jours. Le secrétaire général à la présidence de la République qui est en train de prendre les décisions maintenant qu'il conteste. Hein. Hier, il nous disait que Ngongo c'est son grand frère. Donc vraiment c'est mon grand frère, nous on cause tous les jours, même à 2h du matin on s'appelle. Il dit que Chantal Biya c'est sa mère, c'est ses amis. Que Paul Biya c'est son père, il parle à la présidence comme il veut. Maintenant on vient, on lui dit que voilà ce que Popol a décidé. Il dit que jamais, jamais vous devez demander mon avis. Jamais vous devez demander mon avis. On demande ton avis que toi qui, Nomba. Toi qui, Youbiou. Tu es juste à la tête d'une fédération qu'on peut dissoudre aujourd'hui. L'État du Cameroun peut décider qu'il ne veut plus de fédération de football au Cameroun. On dissout les bêtises. Tu vas encore être quoi dans la sauce? C'est-à-dire quand vous mettez, vous voulez défier. Soyez sûr de ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'État du Cameroun décide que, ok, bon, puisque la fédération, là, d'abord, nous coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire, chaque fois, il faut payer l'équipe nationale. Il n'y a même pas de résultat, tout. Le football. Bon, mettons d'abord ça de côté. Il a la chance que le gouvernement du Cameroun actuel compte sur le football pour distraire les Camerounais. C'est pour ça que les gars se maintiennent là, ils insistent sur les trucs là. Si c'est moi l'État, si c'est moi l'État du Cameroun aujourd'hui là, je suspends la fédération, bang, hein, c'est fini. Il va encore discuter avec qui? Il va discuter quoi avec qui? Voilà les solutions. Première solution, s'il est trop fâché, qu'il recrute l'équipe nationale comme son comité restreint qu'il a fait, sa petite réunion qu'il a fait aujourd'hui avec ses vice-présidents là. On lui a demandé de proposer les entraîneurs, qu'il repropose encore parce qu'il avait déjà proposé, le ministère des Sports a dit que les entraîneurs qu'il a proposés coûtent extrêmement cher. Et donc, on lui demande de reproposer. Peut-être c'est le premier vice-président, deuxième vice-président et troisième vice-président de la FECAFOOT qui vont désormais payer les entraîneurs. Nous, là, les Camerounais, ça nous arrange. Comme ça, l'argent ne va plus sortir des caisses de l'État pour les futilités qu'on appelle le football. Donc, si Eto'o estime que c'est lui qui doit nommer les entraîneurs à la tête de l'équipe nationale qui appartient pourtant à l'État du Cameroun, eh bien, soit. Déjà, le président de la FECAFOOT déjà n'a pas le pouvoir de nommer un entraîneur de club. Mais les farfelus viennent nous dire que le président de la FECAFOOT a le pouvoir de nommer un entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Je vous rappelle que la FECAFOOT n'est que, c'est-à-dire une association, n'est-ce pas, qui permet de gérer le football au Cameroun. C'est-à-dire que les patrons des taux, ce sont les présidents des clubs. Les patrons des taux, ce sont les présidents des clubs. Et comme il faut une structure pour gérer le football, c'est pour ça que la FECAFOOT est là, pour essayer de gérer les affaires du football au Cameroun, là. Les affaires des clubs de football, les trucs, tout. Essayer d'encaisser l'argent de la FIFA, de reverser, et tout. C'est la gestion, c'est tout. Eto'o ne peut pas décider que tel club doit nommer tel entraîneur. Donc c'est à la tête de l'équipe nationale que Eto'o va avoir les pouvoirs qu'il n'a pas dans les petits clubs, dans les petits clubs de quartier. Mais vous blaguez ou bien qu'est-ce qui vous arrive même? Quand je vois les gens parler des trucs qu'ils ne maîtrisent, moi ça me dépasse. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien de plus important sur cette planète que la logique. La logique. Quand vous partez du principe que l'équipe nationale du Cameroun, de football du Cameroun, appartient à l'État, que c'est la propriété de l'État, vous comprenez une fois. Ensuite, si vous n'avez pas encore bien compris, vous apprenez le lendemain que tous les sélectionneurs, les entraîneurs là, sont payés par l'État. C'est-à-dire que si on te dit que l'entraîneur touche 50 millions par mois, les 50 millions par mois là, c'est l'argent du contribuable camerounais, de la maman qui vend la banane brisée en bordure de route et elle paye l'impôt. Tout, le boutiquier qui paye l'impôt. Toi, le commerçant qui paye l'impôt, c'est votre argent qu'on prend pour payer le sélectionneur là avec. Bon, dites-moi,
À quel moment est-ce qu'un individu à la tête d'une fédération va venir avoir la dernière décision sur une affaire qui concerne l'État, c'est-à-dire qui concerne tous les Camerounais? Il a été voté par tous les Camerounais ou bien il a été voté par des délégués de leurs histoires de football. À quel moment est-ce que les gens qui parlent de football, les délégués des histoires de football, sont concernés par l'argent du contribuable camerounais et ils ont une dernière décision sur ça? À quel moment? À quel moment? Parce que s'il est président de la fédération de football, c'est pour les footballeurs. C'est pas une affaire, c'est pour les footballeurs qui l'ont mis là-bas pour gérer leurs affaires. Par contre, quand on parle déjà de l'argent du contribuable camerounais, l'argent sorti des caisses de l'État, un farfelu vient vous dire qu'il a son dernier mot à dire sur celui qu'on va choisir pour accompagner l'équipe qui est payée par l'argent des caisses de l'État. Vous vous entendez même parler? Ça existe où? Si on laisse le président de la FECAFOOT prendre certaines décisions, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça fonctionne ou bien que ça doit fonctionner. C'est le président de la FECAFOOT qui a besoin de l'approbation du ministère des Sports ou alors du ministre des Sports pour nommer, signer un contrat avec un entraîneur. Il a besoin de l'approbation là, pourquoi? Parce que c'est le ministre des Sports qui paye l'entraîneur avec les caisses de l'État. Si c'était, par exemple, vous avez vu One All Sport, est-ce qu'il a eu besoin de l'approbation du ministre des Sports pour signer un contrat avec One All Sport? En quoi ça concerne l'État du Cameroun? Ce sont les sponsors du football. Ça régale le football. C'est des choses normales. Mais quand One All Sport vient déjà pour habiller les Lions Indomptables, l'État du Cameroun peut lui demander que, mais l'argent que One All Sport verse là, est-ce que tu reverses normalement ce qui revient aux joueurs? Par exemple, les primes, les trucs comme ça là. L'État peut lui demander, peut avoir un droit de regard. Parce que oui, c'est quand même l'équipe nationale du Cameroun. Et ça, vous voyez un peu. Là, c'est normal. Il a signé avec One All Sport, la mafia qui l'a fait tout. Est-ce que vous avez vu l'État du Cameroun Regembe? Ils savent qu'il y a le faux derrière. Mais comme ça ne les concerne pas, ça concerne la FIFA. Les problèmes de sponsors, des machins là, s'il y a une décision à prendre là-bas, c'est la FIFA. Parce que ça concerne les problèmes internes du football. Ce n'est pas les affaires de l'État. Ça, c'est les affaires de la FIFA, la CAF, les trucs comme ça, là. Ça ne regarde pas l'État du Cameroun. Donc, il peut signer les contrats avec les sponsors, il signe avec les brasseries, comme il signe, il fait les trucs, ça le regarde là-bas. S'il y a détournement de fonds là-bas, c'est la FIFA qui va sanctionner. S'il y a vice de procédure, c'est la FIFA qui va sanctionner. Donc, c'est ça où est parti se plaindre où? Le corps sportif est parti se plaindre où? Pourquoi le corps sportif n'est pas allé se plaindre à l'État du Cameroun? Parce que ça ne concerne pas l'État du Cameroun. À ce niveau-là, l'État du Cameroun peut juste lui donner un conseil. Et après, il quitte sur ça. Donc, le président de la FECAFOOT peut signer un contrat avec un entraîneur. Oui, il peut. Mais après l'avis du ministre des Sports, après l'approbation du ministre des Sports, c'est ça qu'il faut retenir. Par contre, dans l'inverse, le ministre des Sports peut signer un contrat d'un entraîneur sans demander l'avis du président de la FECAFOOT. Tout ce que le président de la FECAFOOT a à faire, c'est d'obéir et de prendre acte. Parce que rien n'est au-dessus de l'État. Rien. Donc lui, il obéit. Il dit, on a nommé, ok, il obéit. Dites-moi, pourquoi est-ce que Samuel Eto'o est parti soumettre les candidatures au ministère des Sports s'il avait la possibilité de nommer lui-même? Je m'adresse aux églisiens. Pourquoi est-ce que Eto'o est parti soumettre d'abord les candidatures de Hervé Renard et de tous les autres là au ministre des Sports dans ce cas? Si lui-même il avait le pouvoir de nommer, expliquez-moi l'autre là. Parce que vous dites qu'il y a un article de loi qui dit que c'est le président de la fédération qui nomme les sélectionneurs, qui signe les contrats des sélectionneurs. Ok. Pourquoi est-ce que Samuel est parti au ministère des Sports pour proposer les entraîneurs dans ce cas? Parce que si on veut bien vous suivre, Samuel Eto'o peut aller choisir un entraîneur qui va prendre 1,5 milliard par an, il signe le contrat, il dépose, et puis il donne l'injonction à l'État du Cameroun de payer ce salaire. Ah bon? C'est comme ça que les choses fonctionnent. Si vous croyez que les choses fonctionnent comme ça, là, on comprend pourquoi nos pays sont sous-développés.
D'ailleurs, je parle même quoi, quand les gens déjà pensent que le Cameroun appartient à un individu, à Popol. Donc, comment est-ce qu'ils ne vont pas réfléchir comme ça? C'est-à-dire que vous allez voir un individu à la fédération, il part, il prend une décision qui concerne l'État du Cameroun et dont l'argent va sortir des caisses de l'État. Il prend la décision unilatéralement avec ses amis. Il dit que bon, je vais choisir qui? Je vais choisir Hervé Renard. Hervé Renard dit qu'il va, il veut un salaire de 1,6 milliard par an. Bon, je le signe. C'est Hervé Renard, je le signe. Et puis, il envoie la lettre au ministre des Sports. Il dit au ministre des Sports que bon, moi, les combis, j'ai signé Hervé Renard. Hein, et le salaire que Hervé Renard demande, c'est 1,6 milliard par an. Donc, moi, les combis, envoie l'argent dans les caisses de la FECAFOOT. Tu as compris? Et tu n'as rien à dire. Tu exécutes. Hein? Le ministre exécute les ordres du président de la Fédération Camerounaise du football. Du jamais vu dans l'histoire de ce monde. Du jamais vu. C'est-à-dire, on se demande où est-ce que les gens mettent leur cerveau. Sérieusement. Et quand tu viens parler de la logique, les gens viennent te dire que tu supportes le régime Biya. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quand on demandait justice pour Martinez Zogo, ça veut dire qu'on supportait le régime Biya aussi. Hein? Eh oui. Mais les gars, arrêtez souvent de vous foutre de la gueule du monde. Arrêtez. Arrêtez. Justement, Joss, je ne refuse pas que Eto nomme son staff. Si c'est moi, moi les combis, j'ai dit que oui, Eto, nomme le staff. Et comme ça, tu vas assurer leur salaire. Tu vas payer. Il n'y a pas de problème. Nomme-les et tu les payes. C'est tout. Nomme-les et tu les payes. C'est tout. Ou bien. Et puis le problème est fini, non? Puisque c'est toi qui décides, c'est toi le patron. Tu peux être le patron dans tes histoires-là, mais tu ne peux pas être le patron dans les caisses de l'État. Donc, nomme-les comme tu veux. C'est entre vous. Et tu les payes. D'ailleurs, tu nous as dit que tu as signé un contrat avec One Sport où on va toucher 4 milliards par an. Donc, dans les 4 milliards-là, tu peux retirer 1 milliard, 600 millions et tu payes à Hervé Renard. Hmm? Vous trouvez que c'est logique? Hein? Vous trouvez que c'est logique que Eto nomme l'entraîneur et c'est l'État du Cameroun qui paye le salaire de l'entraîneur? Vous trouvez que c'est logique qu'un État soit soumis à la décision d'un petit farfelu à la tête d'une certaine fédération qu'on peut balayer du revers de la main du jour au lendemain que bon, aujourd'hui on décide que la FECAFOOT n'existe plus, football l'a fiché le camp du Cameroun avec. Hein? Est-ce que vous entendez souvent réfléchir? Dites-moi, vous soutenez quoi? Je vous ai toujours dit que les gens qui disent la vérité à Eto, là, c'est eux qui aiment Eto. Parce que quand le gars là jouait au football, il n'y avait pas plus grand fan de lui que moi. Je dormais à 3h du matin parce que je voulais voir le gars jouer à Anzi Makashkala. Je ne dormais même pas des fois parce que je voulais le voir jouer. Partout où il partait, je supportais le club. Qu'il soit à Barcelone, qu'il soit à Tottenham, qu'il soit à Chelsea, qu'il soit à Anzi Makashkala. Je dis Anzi Makashkala, je supportais le club. Même sans savoir quels étaient les enjeux du championnat, je supportais le club, mon frère. À l'Inter, je supportais, alors que je ne regardais jamais le football italien, j'ai commencé à supporter Inter. Quand j'étais jeune, on m'appelait Shevchenko. On m'appelait Shevchenko quand il jouait, on m'appelait Shevchenko. Shevchenko jouait au Milan. C'était un attaquant du Milan. On m'appelait Shevchenko. Super Sheva. C'est comme ça on m'appelait. Sauf que moi, je ne regardais jamais les matchs du Milan. Jamais. J'entendais parler des Crespo, des Inzaghi, des Nesta, machin. Je ne regardais pas. J'entendais seulement parler. Après, quand je jouais à la PlayStation, je voyais tous ces joueurs-là dans la PlayStation. Mais je ne regardais pas le championnat italien. Mais quand Eto est parti à l'Inter, mon frère, je connaissais tous les programmes de match du championnat italien en tête. En tête. Il faut voir quand on a jubilé la Champions League. Quand le gars a pris à Barcelone, ensuite il quitte là, il peut prendre. On a insulté Pep Guardiola ici là parce que Pep Guardiola l'a chassé du Barça. On a supporté l'Inter. On a jubilé la Champions League comme si nous-mêmes on gagnait quelque chose dedans, mon frère. Ma voix est partie. J'ai fait 3 jours avec la voix rock. Mais mon frère, et quand ça arrive déjà dans les affaires qui concernent le peuple camerounais, je suis intransigeant. Intransigeant. Le port du cerveau est obligatoire.
Quelqu'un de normal ne peut pas s'asseoir faire des réunions pour défier un État. Comment? Il défie, il dit que je suis là, je vais défier ces gens-là, je vais défier ces gens-là, mais défie-les alors, non, mon frère. Nous, là, nous, on est en exil parce qu'ils nous ont chassés. Défie-les. Quand tu vas finir de les défier, tu vas te retrouver à Kondengi parce que les gens-là, tu sais très bien que ces gens ne jouent pas. Et c'est pour ça que nous t'avons dit que toi, Samuel Eto'o, tu ne peux pas te lever. Quelqu'un à qui le Cameroun n'a rien donné. Tu te lèves. Tu peux supporter quelqu'un qui a la tête du Cameroun depuis 42 ans ouvertement, pour rien. Tu peux le supporter, pas pour rien, pour tes intérêts personnels. Après, tu vas t'asseoir là. Le même Popol décide de quelque chose. Toi, tu dis tu n'acceptes pas. Toi qui? En tout cas, hier, moi, je disais même que je t'encourage. Parce que vraiment, si les gens là t'arrêtent, je sais que ceux qui t'encouragent dans la bêtise vont sortir dans les rues. Et pour nous là, ce sera bon. Donc, vrai, je dis la vérité maintenant, mais au fond, je te soutiens dans cette démarche. Défie-les même, défie-les. Parce que bien, tout bien réfléchi, ça nous arrange. Donc, il faut les défier. Il faut les défier. Quand ça arrive sur l'argent du contribuable camerounais, moi, je ne blague pas. Si tu joues avec l'argent du contribuable, tu deviens la viande et moi, je suis un carnivore, je dois te manger. Parce que ce que Eto'o fait là, il joue avec l'argent du contribuable. Comment tu peux demander qu'on paye un entraîneur 1,6 milliard et tu demandes qu'on donne l'argent 48 heures à l'avance? 1,6 milliard par an. Les Camerounais ne souffrent pas assez selon toi. Et après, tu viens jouer les grands défieurs. Tu veux défier tout le peuple camerounais. Tu défies tous les Camerounais en disant, je suis Samuel Eto'o. Si vous essayez un peu, c'est que ça va bader. Si tu faisais ça pour les intérêts du peuple camerounais, j'allais te soutenir, je jure, j'allais te soutenir. Mais là, tu fais ça pour tes propres intérêts et pour te remplir les poches. Parce que si tu demandes qu'on mette à disposition cet argent à 2 jours, avant que le nouvel entraîneur ne prenne ses fonctions, c'est bien parce que tu as besoin de prendre tes rétro-commissions dedans. Parce que c'est un jeu d'argent. Hein. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'il aime trop le Cameroun ou bien qu'il aime trop le football camerounais. Comment quelqu'un de normal peut accepter, n'est-ce pas, jusqu'à aller proposer à l'État du Cameroun, un entraîneur qui va prendre 1,6 milliard par an. Comment quelqu'un de normal peut accepter ce genre de choses? Quand on connaît comment le Cameroun fonctionne aujourd'hui. Dites-moi, comment quelqu'un de normal, quelqu'un qui veut vraiment que le Cameroun évolue, peut se comporter comme ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le schéma là? Je veux comprendre. Tapotez l'écran sur TikTok, les gars, vous ne tapotez pas assez aujourd'hui. Mettez les cœurs sur Facebook, la famille, vous ne mettez pas assez de cœurs. Et je ne vois pas un bon nombre de partages. Vous êtes plus de 500 ce soir sur Facebook, mais vous ne mettez pas beaucoup de cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs. Soyez logique, si nos pays sont mal dirigés aujourd'hui, c'est bien à cause du fanatisme moutonnier de certains et du mutisme des autres. Moi, je suis d'accord. Pour vous dire vrai, dans la logique, normalement, dans les normes des choses, je suis tout à fait d'accord. Quand on sort maintenant de ces histoires, je suis tout à fait d'accord que ce soit la FECAFOOT qui recrute l'entraîneur pour la sélection nationale de football. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et dans les normes des choses, ça devait être ça le procédé. Que la FECAFOOT s'occupe des affaires de football. Et qu'elle utilise l'argent qui lui est donné par la FIFA pour entretenir le football et le staff du football. Ça, c'est normalement logique. Comme ça, là, ça va faire que l'État du Cameroun économise beaucoup d'argent. Parce que je ne comprends pas toujours cette histoire où c'est l'État du Cameroun qui doit payer un salaire de 50 millions par mois, 60 millions par mois à des individus juste parce que les gars viennent coacher l'équipe nationale qui ne vient même pas d'abord des joueurs camerounais. On va aller prendre des joueurs étrangers qui jouent dans les championnats étrangers. Ils vont venir courir derrière le ballon sans engagement. Rien. On va partir dans les compétitions. On va nous fesser. Et après, on va quand même verser le salaire de l'entraîneur là. Non. Moi, je suis pour que ce soit la FECAFOOT qui recrute les entraîneurs et le staff et que la FECAFOOT paye leur salaire. Que l'État du Cameroun se retire de cette histoire. C'est bien parce que, même au niveau de l'État du Cameroun, je vous ai expliqué ça hier, c'est un jeu d'intérêt.
Eux aussi, quand les gars signent le contrat des entraîneurs là et ils donnent à la FECAFOOT, c'est parce qu'il y a de l'argent derrière. Si l'État du Cameroun vous dit que l'entraîneur touche 40 millions par mois, sachez que l'entraîneur en réalité touche autre 10 millions. Autre 10 millions là même, c'est beaucoup, peut-être 5 millions même. Au moins 80% du salaire de l'entraîneur dont on vous parle là, ça entre dans les poches des gens là qui sont partis chercher l'entraîneur et des ministres et tous ces gens là. Donc, les gars sont en train de se bagarrer sur qui va manger et qui ne va pas manger. Donc, normalement, moi, si je devais prendre une décision en ce qui concerne cette histoire de football au Cameroun, je devais laisser l'entière responsabilité de la gestion du football à la FECAFOOT. Recruter un entraîneur, payer le même 10 milliards, payer 10 milliards, 20 milliards, c'est votre problème. C'est la FIFA qui donne l'argent, la payer. Payer. Comme ça, là, ça va faire en sorte que les caisses du Cameroun économisent. Donc, aucun des deux camps ne joue dans l'intérêt du peuple camerounais. Aucun. Aucun. Moi, je croyais même que si Eto'o venait à la FECAFOOT, il allait dire à l'État du Cameroun que bon, je ne veux plus que l'État du Cameroun paye le sélectionneur et son staff. Non. C'est maintenant la FECAFOOT qui va payer. J'allais applaudir que waouh, bravo. Bravo, ça c'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce que l'argent du football, là, ça vient de la FIFA et tout ça. Hein. Donc, ça vient des sponsors de la FIFA. Donc, l'argent ne va plus sortir des caisses de l'État du Cameroun. Mais grande a été ma surprise quand le gars demande où c'est 14 milliards juste pour aller à la Coupe du Monde. J'ai commencé à dire, hey, mon frère, hey, tu demandes jusqu'à combien de milliards pour aller à la Coupe du Monde comme ça, non, mon frère? Une Coupe du Monde là où toi-même, tu sais qu'on va nous fesser au premier tour, on va rentrer. Tu demandes autant de milliards juste pour aller vous balader au Qatar. C'est bizarre. Et après, on a divisé l'argent qu'il a demandé par 10. On lui a donné les 1 dixième de ce qu'il a demandé. Il a accepté, il a pris. Donc lui, il savait qu'il pouvait faire avec les 1 dixième de l'argent qu'il a demandé. Mais il a quand même demandé 10 fois plus. Mais c'est pas un malhonnête ça que c'est un quoi, non, mon frère. Et l'argent là, jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours qu'il rende compte de ça. Il n'a toujours pas rendu compte. C'est l'argent des caisses du contribuable. L'argent là pouvait servir même à former des jeunes Camerounais. L'argent là pouvait servir même à construire des universités. Même comme ils vous disent que Paul Biya a construit des universités. Il n'a construit aucune université. Aucune. Aucune université. Il a juste transformé des anciennes écoles laissées par Aïdjo en université. Des anciens lycées, des anciennes écoles. Il a transformé ça en université. Il n'a rien construit. Donc, quand le gars demande autant d'argent juste pour aller, pour mettre dans le football, aller se balader au Qatar, c'est pourquoi? Ce n'est pas de l'escroquerie, ça, que c'est quoi? Et vous pensez que le gars, là, lui, il est dans les affaires, il est là pour se remplir les poches. Il est là pour se remplir les poches, il n'est pas là pour s'amuser. Et vous pensez que moi, je vais venir le soutenir dans sa bêtise par rapport à quoi? Il s'est mis dans ce pétrin-là seul et qu'il s'en sorte donc. Je vous dis encore, malgré le fait que Eto'o a soutenu Biya, s'il arrivait à la tête de la FECAFOOT et qu'il prenait des grandes décisions qui allaient dans l'intérêt du peuple camerounais, je vous ai donné une des grandes décisions là. Décider que non, l'entraîneur de l'équipe nationale sera dorénavant payé par la FECAFOOT. Rien que cette décision-là devait me faire le soutenir jusqu'à... Ensuite, l'une des grandes décisions, il pouvait dire que dorénavant, l'État ne va plus sortir de l'argent pour accompagner les Lions dans les compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique ou bien même les matchs amicaux. Non, c'est la FECAFOOT qui va s'en charger parce qu'en vrai, la FECAFOOT a beaucoup d'argent pour faire tout ça. Hein. Mais l'argent n'a pas où. Le gars gère la FECAFOOT, il ne rend compte à personne. Quand on l'attaque un peu, il dit que lui va aller rendre compte à ses patrons de la FIFA. Sauf qu'on connaît qu'à la FIFA, ce sont tous ses amis. Et les gars s'associent pour bouffer l'argent qui revient au football camerounais. Plusieurs présidents des clubs du football camerounais se sont plaints de cette histoire. C'est exactement ce qui est tout fait. Il est intouchable à la FIFA. Tous ce sont ses amis, jusqu'à Gianni Infantino, tous. Et les gars se sucrent avec l'argent qui revient au football camerounais. Ce n'est pas moi qui dis. Plusieurs présidents des clubs ont dit ça. Qu'ils ne comprennent pas où va l'argent du football camerounais depuis que Eto'o est à la tête de la FECAFOOT, qu'ils croyaient que ça allait changer, mais au contraire, c'est très grave. C'est bien parce que l'argent arrive, Eto'o, il bouffe ça, il se partage avec ses amis. Et le gars vous dit qu'il a les bras longs.
Mais s'il joue avec l'argent de la FIFA là-bas, ça le regarde. Qui ne tente pas ça avec l'argent des caisses du contribuable. D'ailleurs, il doit nous expliquer comment est-ce qu'il demande qu'on paye un entraîneur à 1,6 milliard par an. Qui nous dise ça? C'est trop. Mettez les cœurs sur TikTok, les gars. Mettez les cœurs sur Facebook aussi, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Et faites encore un maximum de partage. Faites un maximum de partage. Et la personne qui met les têtes de mort sur Facebook, là, comme tu n'as rien à faire, ne t'inquiète pas, tu seras bloqué tout à l'heure. Donc, mets autant de têtes de mort que tu veux. Et puis, joue ta dernière partition parce que tu seras bloqué. Voilà. Mettez les cœurs sur TikTok, la famille. Mettez les cœurs et bipez et partagez le live. Partagez le live. Même sur Facebook aussi, partagez, partagez, partagez. Voilà. Eric Kess demande si c'est la nouvelle version des Bamileke. Les Noirs. Les Noirs se plaignent du racisme. Mais entre eux, ce sont des sauvages. Des gros, c'est-à-dire des gros sauvages. Des gros sauvages, mais ils se plaignent du racisme. Que ouais, le blanc nous maltraite parce que nous sommes noirs. Toi-même, ton propre frère noir, tu le rejettes parce qu'il est il serait d'une autre tribu ou bien d'une autre ethnie. Tu insultes ton frère noir juste parce qu'il appartient à une ethnie autre que la tienne. Et tu crois que tu es un être humain? Tu n'es pas un être humain. Pas du tout. Et tu vois, quand tu regardes son profil, tu vois, c'est un vieux. Un vieux. Et il vient là, il dit, les nouvelles versions, les Bamileke, machin, truc, patati, patata. Heureusement que vous n'êtes représentatif de rien, parce que vous ne valez absolument rien. Et il arrivera un jour dans ce Cameroun-là que quelqu'un qui ose s'attaquer à une autre personne par tribalisme va payer cher, cher. Comme ça, on va encore vous demander d'ouvrir vos larges gueules. Et traiter les gens, espèce de Bamileke, espèce de boulot, espèce de bassa, espèce de ceci. Les nordistes sont les moutons, et les ceci sont les mangeurs de savon, les patati patata, là, ça va vous dépasser. Et le moment là va venir. Parce que je sais que c'est le régime de Popol qui encourage ça. Il y a une loi au Cameroun, n'est-ce pas, spéciale qui réprimande le tribalisme. Sauf qu'ils n'appliquent pas cette loi. Parce qu'ils savent que plus le peuple est divisé, plus ils restent au pouvoir. Quand ils s'asseyent entre eux, Popol du Sud, Niat, la deuxième personnalité du Cameroun, de l'Ouest, Kavaï, troisième personnalité du Nord, vous avez le ministre de la Justice qui est du littoral, vous avez, c'est-à-dire, toutes les régions du Cameroun sont représentées. Hein. Toutes les régions du Cameroun sont représentées dans le RDPC. Dans le RDPC. Quand ils s'asseyent pour manger l'argent du Cameroun, manger l'argent du pétrole, manger l'argent du bois, manger l'argent de l'or, manger l'argent du diamant, manger tout l'argent des ressources du Cameroun, manger l'argent du fer, manger tout. Il n'y a pas de tribalisme entre eux. Mais vous allez voir des petits rats palmistes souffreteux qui n'arrivent même pas à manger le tapioca deux fois par jour, qui vont venir là s'attaquer aux gens par rapport à leur ethnie ou bien à leur tribu. Ils viennent là sur les réseaux sociaux tout le temps. Bamileke ne sera jamais président. Les Bamileke veulent quoi? L'autre, tu vas encore voir un autre feignant va venir. Vraiment, les petits boulots ont détruit ce pays. Les machins, tout patati patata. Tu vas voir l'autre. Les bassas sont les ceci. Les bassas sont les cela. Quand vous vous donnez un spectacle comme ça là sur les réseaux sociaux, les autres vous voient. Et après, vous demandez à ceux qu'on vous respecte. À leurs yeux, vous n'êtes pas des êtres humains. Ils vont vous respecter par rapport à quoi? Parce que vous êtes moins que zéro avec ce genre de... Parce que on considère un être humain avec sa façon de réfléchir. Pas sa façon de réfléchir. Et non, c'est-à-dire, vous allez voir des ignares sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à leurs propres frères. En Europe, vous voyez l'Union européenne, les Européens se réunissent, ils s'unissent. Les gars se mettent ensemble. Les gars font tout ensemble. En Asie, pareil. En Amérique, pareil. Vous arrivez en Afrique. Le tribalisme a déjà percé la tête des gens à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et après, ils vont se réclamer d'être des êtres humains au même titre que d'autres personnes qui connaissent et qui considèrent ce qu'on appelle l'être humain.
Attendez, je bloque même d'abord l'IA là. N'importe quoi. Et c'est ça qui tue l'Afrique. C'est ça qui tue. Ça a ramené le Rwanda à 50 ans en arrière. Les gens se sont mis à s'entretuer parce que l'autre était Hutu, l'autre était Tutsi. Voilà un critère. Ils vont acheter les machettes et ils se mettent à découper les enfants, les femmes, tous, les hommes. Ils veulent finir une partie de leur population juste parce que cette partie de leur population était d'une ethnie autre que la leur. Rien que ça. Et vous voulez que les gens nous considèrent? Ha. Sérieux. Ça m'a toujours dépassé. C'est comme d'autres personnes, quand on est en train d'expliquer la malhonnêteté de Samuel Eto'o, ils veulent nous ramener dans le tribalisme en disant que les gens s'attaquent à Eto'o parce que Eto'o n'est pas de leur ethnie, Eto'o n'est pas de leur tribu. C'est pour ça que les gens s'attaquent à Eto'o. Eto'o est président de la FECAFOOT. Le sélectionneur des Lions, n'est-ce pas, Eto'o est président de la FECAFOOT. Eto'o, c'est un bassa. Rigobert, son sélectionneur des Lions, c'est un bassa aussi. Ça n'a pas posé problème. Mais dès qu'il y a certaines personnes qui sont sorties pour dire que non, il faut que Webo soit sélectionneur des Lions indomptables, ça a commencé à créer des problèmes. Que pourquoi est-ce qu'on doit mettre un Bamileke à la tête des Lions indomptables? Que les Bamileke veulent tout prendre dans le pays. Et c'est toujours la même catégorie de personnes. Hein. Les mêmes amis, ce sont les amis d'Eto'o, parce que c'est le RDPC qui lance toujours cette polémique-là. Ce sont les mêmes amis d'Eto'o. Les mêmes, ce sont eux qui viennent lancer cette polémique-là sur les réseaux sociaux. Et au lieu que les Camerounais parlent des vrais problèmes qui minent leur société, ils vont commencer à se discuter avec ces histoires. Eto'o sait que le RDPC est un parti sanguinaire. Ce sont eux qui se sont arrangés pour finir avec Martinez Ogo. Il sait. Il sait, mais il est quand même parti s'accrocher derrière eux. Il est parti s'accrocher derrière le RDPC. Rigobert Song lui-même, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas trop Rigobert Song? Rigobert Song, c'est un membre du RDPC. Rigobert Song est du RDPC. Il porte les tenues du RDPC. Il part aux réunions du RDPC. Rigobert Song, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, l'ancien capitaine de l'équipe nationale, il est du RDPC. Samuel Eto'o dit qu'il soutient Biya et qu'il va encore soutenir Biya en 2025. William Glass, ce que je connais de la politique, c'est que quelqu'un ne vient pas commenter sur la page de quelqu'un quand on ne l'a pas invité, donc bloqué. Tu vas me suivre sans pouvoir commenter. Comme ça, ça va te donner une leçon. Ça va te donner une leçon de savoir que quand on vient sur la page de quelqu'un, on ne l'attaque pas personnellement. Si on a des idées, on les défend. Si on a des contradictions, on les apporte en commentaire. On ne vient pas sur la page de quelqu'un l'attaquer. C'est ça que je connais de la politique. C'est pour ça que tu ne me verras jamais sur la page de quelqu'un l'insulter ou l'attaquer. Jamais, jamais, jamais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je ne le fais. Parce que je connais la politique. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que je te donne une leçon de politique. Tu vas écouter mon live sans pouvoir commenter. Ça, c'est une leçon de politique. Voilà. Comme ça, chacun va lire le... C'est tout, hein. Nous, on ne parle pas trop. On te met à ta place une fois. Et on ne te donne même pas la possibilité de répondre parce que tu n'en vaux pas la peine. Et le salopard, il avait même envoyé la demande. Salopard. On t'a dit qu'il y a une place pour les salopards ici, là. Mougou du village. Boutnassik. Venez nous expliquer ici, là, pourquoi Eto'o ne paye pas l'entraîneur lui-même. C'est ce que je vous ai demandé depuis. Pourquoi Eto'o ne paye pas l'entraîneur lui-même? C'est ce que je vous ai demandé ici depuis. Maintenant, je vais, n'est-ce pas, il y a un deuxième truc, en passant, TikTok, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de bons petits blagueurs et de petites blagueuses sur TikTok. Donc, sur TikTok, il y a un individu. C'est où? Voilà. Il y a un individu sur TikTok qui s'est donné pour mission d'écrire et de signaler, n'est-ce pas,
les personnes qui sont sur TikTok et qui combattent l'État du Cameroun. Vous voyez un peu. Donc, cette personne, c'est jusqu'à elle écrit même la lettre, hein, et tout, tout, tout. Et donc, cette personne-là, n'est-ce pas, j'ai décidé que je vais me charger de son cas moi-même personnellement. Vous voyez un peu. Donc, je vous fais un peu écouter. Je vous fais un peu écouter. Hein. pm.gouv.cn. J'ai écrit bien. Je savais que j'ai oublié de mentir le nom des mômes et autres là. Monsieur le ministre, je me permets de vous alerter sur la situation dégradante que subit l'image du Cameroun sur le réseau social TikTok perpétrée par une jeune dame au nom du profil TikTok Kelibi, vivant selon ses dits en Hollande. Mm-hmm. En effet, depuis plus d'un an, accompagnée par un groupe de personnes, mm-hmm. c'est où j'aurais dû mentionner le nom de tous ces gars-là. Cette dame qui se fait passer pour une Amazonienne et qui a avoué par voie orale et à plusieurs reprises avoir financé le groupe sécessionniste qui ôte la vie à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mm-hmm. Et ce n'est pas tout. Elle est allée plus loin en affirmant dans un live de plus de 800 personnes en vue qu'au Cameroun, les francophones tuent les anglophones. Ce qui est un mensonge. Mais c'est pas tout. Elle a insulté copieusement le président de la République camerounaise qui représente une institution pour notre pays et son épouse. Mm-hmm. Moi, Apocalypse Anana, mm-hmm. camerounaise soucieuse et consciente des actions qui ont été menées par le président de la République pour maintenir l'unité nationale, cette situation sur TikTok a perduré et croyez-moi, monsieur le ministre, ce n'est pas la voix d'une centaine et milliers de personnes que je vous écris cet email. Mm-hmm. Merci, monsieur le ministre, de prendre au sérieux cette situation qui participe à dégrader l'image et à rabaisser les institutions du Cameroun par des mensonges. Conformément à la réforme de l'article 241 du Code pénal camerounais mm-hmm. et incidence sur les réseaux sociaux, mm-hmm. dans cette optique, nous tenons à votre pleine disposition pour sévir sur ce sujet et vous prions d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Ça, c'est la mail que j'ai envoyée. Pour que nul n'ignore, ça, c'est la mail que j'ai envoyée au ministre de l'Intérieur. Mmh. J'ai fait le copier, j'ai envoyé au ministère des Affaires étrangères du Cameroun. Mmh. Comme elle vient en Hollande, je vais envoyer à l'ambassadeur du Cameroun en Hollande. J'aimerais que vous aussi vous en faites de même. Parce qu'il faut qu'elle, elle serve d'exemple pour tout le reste. Elle doit servir d'exemple pour tout le reste. Déjà, tu le fais pareil. Je vais d'accord. Si c'est possible. Il y a beaucoup... Apocalypse, on dit que son compte c'est Apocalypse 59.5. Apocalypse 59.5 sur TikTok. Moi je suis en direct là donc je ne peux pas aller fouiller sa photo. Je ne pense pas que je puisse avoir le temps pour faire ça. Donc là je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc on dit que la personne s'appelle Apocalypse 59.5. Bah. Donc c'est-à-dire Apocalypse 59.5 est en Europe. Et Apocalypse 59.5 prend les informations sur les gens qui combattent le régime BIA en Europe pour transmettre au régime BIA. Si Apocalypse 59.5 ne sait pas, parce que déjà vu sa façon de s'exprimer, tu sens que c'est une personne qui, c'est-à-dire une personne qui est en pleine carence intellectuelle. Alors, je vais te dire quelque chose de très simple, Apocalypse 59.5. Ce que tu viens de faire là, on appelle ça de l'espionnage. On appelle cela de l'espionnage, d'abord de un. Ce sont des méthodes d'espionnage, d'abord de un. Et si tu étais très intelligente, tu devais faire ça dans le calme. Tu n'allais pas venir sur les réseaux sociaux dire que tu as fait ça. Bien. Maintenant, le fait de prendre les informations des gens ou bien même de signaler leur profil sur les réseaux sociaux, envoyer ça, que ce soit au ministère de l'Intérieur, que ce soit à l'ambassadeur, que ce soit à n'importe qui, tu mets ces personnes en danger. Sur Facebook, s'il vous plaît, mettez les cœurs, on va couper le live. C'est pénalement répréhensible ici en Europe. Et si tu doutes, renseigne-toi sur l'affaire Billy Akele. Billy Akele a fui. Il est parti au Cameroun. En fait, on l'a chassé. On lui a demandé de choisir. Soit tu pars au Cameroun, soit on va faire ta fête. Il a fui, il est parti au Cameroun. Justement parce qu'il s'est comporté exactement comme vous. C'est-à-dire, il était en Europe et il bénéficiait, n'est-ce pas, de tout le système en Europe et il s'attaquait aux activistes anti-BIA en Europe. Et du coup, une procédure a été engagée contre lui et il a vu le feu. Et
en allant au Cameroun, il ne comprenait pas sa tête parce que s'il restait ici en Europe, c'était la fin pour lui. Donc, il croyait qu'il allait partir au Cameroun et le régime d'y aller le protéger, lui donner de l'argent, faire ceci. Il est parti se cacher au Cameroun. Il ne peut plus jamais revenir en Europe. Arrivé au Cameroun, même l'endroit pour dormir, il n'y a pas. Donc, depuis là, il est un clochard. Alors qu'il était ici en Europe, il avait un travail. Il avait un travail. Il avait quand même un semblant de vie. Donc, quand vous arrivez en Europe et que vous voyez des gens qui sont en train de demander des comptes à un gouvernement qui était censé prendre soin d'eux, si vous vous sentez à l'aise, restez dans votre coin. Restez dans votre coin. Au lieu de venir vous attaquer à ces personnes, restez dans votre coin parce que vous ne savez pas de quoi est-ce que ces personnes sont capables. Je vais chercher sa photo et je vais la publier. Je vais chercher sa photo et je vais la publier. Franklin Benjamin Belling, si tu es trop fâché, va en Amazonie bagarrer, va porter la tenue militaire et tu vas en Amazonie bagarrer. Ou alors, tu laisses les Amazoniens régler leur compte avec le régime Biya. Je ne pense pas que les Amazoniens sont déjà venus s'attaquer à toi. Les Amazoniens ont leur problème avec le régime Biya. Si toi, tu penses que tu es concerné par ce problème-là, va prendre la tenue militaire, tu portes et tu vas en Amazonie combattre. Ou bien tu restes tranquille, ou alors tu demandes au régime Biya d'arrêter cette guerre parce que c'est la responsabilité du régime Biya d'arrêter cette guerre. C'est la responsabilité du régime Biya d'arrêter cette guerre et non la responsabilité des Amazoniens. Parce que ce que les Amazoniens font, c'est la conséquence de la mauvaise gestion du régime Biya. Et non l'inverse. Et donc, j'étais de disant ça à cette personne qui s'appelle Apocalypse machin truc, machin chouette là. Apocalypse machin chouette là. Qu'elle aille bien se renseigner. Moi qui suis en train de parler, qu'elle se renseigne sur moi. Et ensuite, qu'elle sache que ses jours sont comptés en Europe. Elle va se retrouver au Cameroun d'ici peu. Exactement comme Billy Akele. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous, on a une puissance financière pas possible. Et on connaît prendre les avocats. Parce que quand les avocats là, ont commencé à traumatiser Billy Akele, si bien que la justice française le cherchait de partout, Billy Akele devait faire 30 ans de prison en France. 30 ans de prison. Donc, toi qui veux transmettre les informations des opposants au régime Biya, qui sont cachés en Europe et qui bénéficient de la protection des pays européens dans lesquels ils sont. Tu seras considéré comme un danger pour eux. Et tu vas répondre. Ou alors tu vas fuir, tu vas aller retrouver le Cameroun, le régime là-bas au Cameroun. Et si tu es même au Cameroun là encore là, pour te dire vrai, même au Cameroun, tu ne seras pas en paix. Il dit même au Cameroun, tu ne seras pas en paix. Allez vous renseigner sur ce qui arrive à Billy Akele. Parce que même au Cameroun, là-bas, les Camerounais crachent sur lui. Et toi, comme tu voulais être star, on va t'exposer. On va t'exposer. On va chercher tes photos, ton adresse, tout. On va t'exposer. Nous, on est très forts dedans. Et quand vous commencez quelque chose, assumez. Assumez. Parce que nous, là, que tu vois là, nous, on a chassé le régime. On a chassé Paul Biya lui-même. On l'a chassé Popol. Popol et sa femme, on les a chassés avec tous ses gardes du corps. On a tabassé ses gardes du corps et on l'a chassé. Il a fui comme un rat, il est rentré au Cameroun. Il était en Suisse pour se reposer. Il n'a pas fait deux jours, il a fui, il est rentré au Cameroun. Et quand il voulait revenir, le gouvernement suisse lui a dit que, hey, pardon, ne reviens plus ici chez nous. Tant que les gars-là ne se sont pas calmés, nous, on n'a pas la force pour les retenir. Ne reviennent plus. On l'a chassé. Donc, ce n'est pas toi une petite chose sous fifre vaurien qui va nous inquiéter. Deux, trois Amazones, là, elles vont régler ton cas. Et ne t'inquiète pas, on aura tout sur toi. Enregistre bien cette partie de la vidéo et c'est de notre droit de nous défendre parce que tu étais la première à nous attaquer. On va retrouver toutes les informations sur toi jusqu'à ton adresse. Toutes les informations. Billy Akele croyait qu'il était trop caché. Il y a beaucoup qui ont fait ça avant vous. Hein. Les gars ont dit, hey, pardon, à Beck. Donc, vous voulez souvent jouer aux intéressants sur les réseaux sociaux. Puisque vous voulez jouer aux intéressants sur les réseaux sociaux, on va vous rendre intéressant. Mais sachez déjà que ce que vous avez fait est pénalement répréhensible parce que c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Si vous ne connaissez pas le droit international, cette personne bénéficie d'une protection mieux que toi qui estime que le régime Biya est bien.
Et comme j'ai entendu quelque part, elle a dit qu'elle est dans une université. Tant pis pour toi, c'est fini pour tes études. Parce que à ton recteur d'université, on va écrire. À tes professeurs, on va écrire. Et tu seras banni de cette université parce que ce que tu as fait, c'est une atteinte. C'est une atteinte aux droits de l'homme, à proprement dit. C'est une atteinte aux droits de l'homme. C'est des choses qu'on ne tolère pas ici en Europe. Allez faire vos bêtises là au Cameroun. Le Cameroun est bien pour vous. Je ne sais pas ce que vous faites en Europe. Parce que si nous sommes en Europe, c'est parce que nous sommes en exil. Si on avait le choix, on devait rester au Cameroun. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Donc si vous vous estimez que le régime bien est bien, si bien que vous dites que les gens déstabilisent les institutions, les gens, Paul Biya est une institution, sa femme, on a insulté la femme de Paul Biya, donc je vais donner les informations de la personne qui a insulté la femme de Paul Biya à l'ambassadeur, je vais donner ces informations au ministre de l'Intérieur, je vais donner ces informations à X, je vais donner ces informations à Y. Tu prends les informations d'une personne protégée pour donner au gouvernement qui recherche cette personne. Tu mets la personne en danger. Tu mets la personne en danger. Vous faites souvent les choses en toute naïveté ou alors vous avez été envoyé. Parce que nous, on peut prouver que tu es une espionne du régime Biya qui est en Europe pour traquer les opposants. Ah oui, hein. Nous, on peut, avec, rien qu'avec ton audio, ta vidéo, si là, rien que la petite partie, si là, on va directement, c'est une preuve par neuf, que tu traques les opposants au régime Biya et tu vois un peu de quoi je parle. Je ne vais pas utiliser certains mots ici là parce que les réseaux sociaux ici là, ça, parfois on nous bloque par rapport à ça. Et donc cette action ici là, tu vas payer. Et comme tu disais que oh, les gens vont servir d'exemple, c'est plutôt toi qui vas servir d'exemple aux autres. Crois-moi sur parole. Je préfère encore que quelqu'un vienne m'attaquer. C'est-à-dire, les gens viennent souvent m'attaquer, les gars me menacent de mort, ils me menacent, ils me font des trucs, ils font des trucs. Oui. Mais quand tu viens déjà jusqu'à, tu dis que tu transmets, mais même si le régime là me connaît déjà, le simple fait que tu viennes, tu écrives au régime en disant que vraiment, Max Seigneur là, il s'attaque aux institutions, vraiment, voilà ce que je sais de lui. C'est un danger. Tu es un danger pour nous. Tu es un danger pour nous. Nous, on te considère comme une personne dangereuse qui travaille pour le régime Biya. Qui a pour mission en Europe de transmettre, de collecter nos informations et de les transmettre au régime Biya. Et que c'est ce que tu as l'habitude de faire. Et tu vas voir toi-même ce qui va t'arriver. Je ne parle plus beaucoup. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Ça, c'était la parenthèse. Non, ben oui, Freddy, ils ne savent pas ce qu'ils font souvent. C'est-à-dire, c'est des naïfs. Et parfois, parmi les naïfs, il y a un qui tombe mal et on le prend, il sert d'exemple aux autres. L'affaire Billy Akili, elle ne s'est pas renseignée, donc elle ne sait pas de quoi est-ce qu'il est question, l'affaire Billy Akili. Et j'espère qu'elle va savoir bientôt. J'espère qu'elle va savoir bientôt. L'affaire Billy Akili. Voilà. Donc, revenons maintenant dans nos histoires de Sam Soya et puis de la Fekafoot encore. Revenons encore dans nos histoires. Donc, depuis là, j'attends les réponses des églisiens. Personne ne répond. Depuis, j'attends les réponses des églisiens. Personne ne répond. Je vous ai demandé pourquoi est-ce que Eto ne recrute pas le sélectionneur et il le paye une fois. Qu'il recrute le sélectionneur et qu'il le paye une fois. Ou bien, hein les gars, qu'il recrute le sélectionneur et qu'il le paye une fois, non? Pourquoi est-ce qu'il veut recruter le sélectionneur et c'est l'État du Cameroun qui doit payer? Parce qu'il estime que l'argent des caisses de l'État du Cameroun, c'est son argent. Mais, le gars là, il est très mal tombé. Il est très mal tombé, ce gars. Parce que le régime Biya ne joue pas. Ce régime ne joue pas. Dès que tu empiètes un peu sur leurs intérêts, ils finissent avec toi. Ce régime ne s'amuse pas. Tant que tu sais leurs intérêts, ils sont avec toi. Mais dès que tu veux un peu empiéter la pente, que tu veux montrer que tu veux faire la défiance, les gars vont finir avec toi. Ils vont finir avec toi. Et hier, je te disais que la meilleure manière pour toi de t'en sortir, c'est d'appeler au changement de régime. Parce qu'avec le changement de régime, on va d'abord balayer tout ce qui s'est passé avant et on va recommencer de nouveau.
Parce que là où tu es là, l'étau dans lequel tu te trouves là, tu ne peux plus t'en sortir, c'est fini. Le rouleau compresseur est déjà engagé. Tu ne peux plus. Les gens mariés à Taranamebara, les Marafami Douyaya, les Mendozé, tous là, ils sont passés par là. Tu ne peux plus, c'est fini. C'est fini. Les gars vont te coller un truc de détournement de fonds, tu ne vas rien comprendre. Parce que quand on sort là, un des caisses de l'État, on te donne, on fait comme ça. On guette avec un œil. On sort, on te donne, on te tient. Les gars t'ont donné l'argent pour aller en Coupe du Monde. Tu as géré comme tu veux. Avec, tu as amené tes amis, tes copines, surfacturées. Tu penses que les gars ne savent pas. Je t'ai déjà d'abord dit, Eto, que parmi tes gens qui t'entourent là, n'est-ce pas, et ceux qui te donnent les mauvais conseils là, il y a les espions du régime plein. Plein comme ça. Les gars sont là pour transmettre toutes les informations. Tu croyais que tu étais trop malin. Le peuple camerounais souffre. Tu viens, tu dis, moi je vais voter pour Popol. Je vote pour Popol. Et comme si ça ne suffisait pas, tu pars encore à France 24. Donner du crédit à un papa de 92 ans. Tu dis que je vais encore le voter en 2025. Mais, c'est quelle insulte ça? C'est quelle insulte ça? Avec toutes les souffrances qu'on vit, tu pars à France 24, on te demande si tu vas soutenir Ndia. En 2025, tu dis que tu l'as toujours soutenu et que ça ne va jamais cesser, que tu vas encore le soutenir en 2025, mon frère. Tu ne vois pas comment le peuple camerounais souffre. Tu ne vois pas ça. Ça ne t'intéresse pas. Tu nous nargues. Tu soutiens le régime pour tes intérêts. Maintenant, assume. Assume. Parce que le régime là ne va pas te laisser. Les gars vont te traiter. Et j'espère que ceux qui t'encouragent dans cette bêtise là vont sortir dans les rues pour manifester quand les gens là vont t'arrêter. Je t'ai dit qu'ils vont t'arrêter. Ils vont t'arrêter. Et le dilemme dans lequel tu te trouves ici, j'ai expliqué ça hier soir et je réexplique encore. Le dilemme dans lequel Eto se trouve ici, c'est quoi? C'est que les gars vont le coincer et ensuite ils vont lui dire: bas campagne pour nous, pour qu'on reste. Soutiens-nous. Comme ça, on va tolérer ta bêtise. Il va battre campagne. Et si jamais le régime Biya passe encore une fois de plus et que tout est bouclé, il sera le premier à tomber. Il sera le premier à être chandélisé par le régime. Et on va le foutre à Konengi. Et puis rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Ne compte pas sur le petit soutien stérile des petits Camerounais. Ils n'en ont rien à cirer. Si on t'arrête, on te fout en prison. Rien. Ils ne vont rien faire. Rien du tout. Ne crois pas que les trois pelés, deux tondus qui sont en route, quand tu parles, hey, papa Eto, l'envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu. Les gars ne vont jamais sortir manifester face à la police pour te soutenir. Jamais ils ne vont le faire. Ils vont dire, ouais, on a envoyé l'envoyé de Dieu en prison. On a envoyé l'envoyé de Dieu en prison. Vraiment, les gens s'y sont même comment? Et puis, c'est fini. Et puis, il n'y a rien. Comme les Ivoiriens disent, et puis, il n'y a rien. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, tu as intérêt à ce que le régime s'y tombe, le tout-ci. Tu as intérêt. Parce que je puis te promettre que si le régime s'y t'arrête même maintenant, tu vas bénéficier d'une grâce présidentielle. On va annuler ta condamnation si le régime s'y tombe. Donc là où tu es là, tu es dans un dilemme. Si tu soutiens le régime, si avec les élections qui viennent là, tu es en train de soutenir ta fin. Tu es en train de soutenir ta fin. Il y a eu les gens qui disent que oh, et toi, élu, on ne peut pas l'envoyer en prison, on ne peut même pas l'arrêter. Mouf! Il a dit, vous délirez même souvent. Il est élu. Donc, mais attendez, il y a des réunions. Il y a des réunions et des associations là où le président est élu. Donc, si le président de l'association détourne l'argent là, on ne va pas l'arrêter. Parce qu'il est élu par son association. Mais ça ne va pas dans vos têtes. Donc, vous voulez y mettre Eto au même niveau qu'un député de la nation. Mais on dit comme ça quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même être Ndoumkoff pour soutenir les bavures du gars là. Mais votre niveau de Ndoumkoffterie là, vraiment, ça dépasse encore la limite.
On ne peut pas arrêter Eto'o parce qu'il a été élu. Bon, d'accord, disons qu'il a été élu. Le pouvoir en place a c'est-à-dire l'État a le pouvoir, excusez-moi, l'État a le pouvoir de dissoudre la FECAFOOT, oui ou non? Et quand on va dissoudre la FECAFOOT, là, il sera encore quoi? Il sera zélu. Quand on va dissoudre la FECAFOOT, il sera quoi? Zélu. Et pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous nous donnez le travail? Vous nous donnez trop de travail et ce n'est pas bien. Toujours à expliquer les choses logiques et basiques. Donc, on balaye la FECAFOOT, ensuite on lui demande les comptes sur la gestion. C'est tout, hein. Parce que si les gars là veulent l'arrêter aujourd'hui, là, ils le font. C'est parce que la campagne présidentielle arrive. Si c'était arrivé dans les affaires de 2020, là, AK, ce qu'on parle déjà de lui au participe passé. Ah oui. La convention signée entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun, dont le ministère des Sports stipule bien que c'est le ministre des Sports qui a le pouvoir sur la FECAFOOT et non l'inverse. Surtout, pas sur la FECAFOOT, en fait, sur la nomination des staffs qui concernent l'équipe nationale. En fait, c'est le ministre des Sports qui a le pouvoir sur les décisions qui concernent l'équipe nationale de football et non la FECAFOOT. Parce qu'à la base, l'équipe nationale de football appartient à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun finance l'équipe nationale de football et donc l'État du Cameroun a un droit de regard dessus. C'est même ce que Paul Biya vous a dit dans son discours le 10 février. Il vous a dit ça. Et il y a maintenant un autre point fondamental. Les gens vont comprendre que les affaires de haute instruction dont Ngongo parle depuis là ne sont pas avérées. Et Ngongo sera dans l'UNDEM. Alors, à la place de Ngongo, qu'est-ce que vous allez faire? Commentez sur TikTok. Il ne voit pas vos commentaires. Commentez. Commentez même aussi sur Facebook. À la place de Ngongo, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, c'est des mafias. Mafia à gauche, mafia à droite. Les gens disent que je soutiens l'État du... Non. Je soutiens juste la logique. Rien que la logique. C'est la mafia. C'est une mafia contre une autre. Et les gars sont en train de se batailler. Et donc, ce que moi, je fais, c'est que je prends mes arachides, je mange, je les regarde, je mets le feu. Et puis, je regarde, je mange les arachides, je mets le feu, je mets le feu. Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça marche. Je mets le feu. Et toi, tu es dans l'UNDEM. Tu es dans un dème, tu ne peux pas imaginer. Et les gens qui te conseillent là seront les premiers à te lâcher. Tu vas voir, quand ça va commencer à chauffer, même Madame Essiane, ou c'est Madame Eko Mendomo Céline là, celle-là que tu dis que c'est ton meilleur soutien, elle va te lâcher. Piam! Parce que si c'est choisi entre le RDPC et toi, elle va choisir son RDPC parce que c'est là-bas qu'il y a son vrai mangement. Elle va te lâcher. Piam! Oh, Abdelkarim Ndioya, arrête de t'intéresser à moi et parle d'autre chose. On parle du sujet ici, on ne parle pas de moi. Je suis un beau garçon, je sais, mais je suis déjà marié, père de famille. Je ne m'intéresse pas à d'autres relations. Tu vois, je sais que je suis beau, je suis mignon, je suis frais. J'ai même beaucoup d'argent aussi. Sauf que j'ai une femme qui a pris mon cœur. Donc, au lieu de t'intéresser à moi, intéresse-toi au sujet, c'est tout. Ou bien tu pars, on ne t'a pas appelé ici. Freddy dit que, dis-lui de nous rejoindre en exil. Le problème, c'est que s'il arrive même en Espagne ou en Italie, on va le catcher parce qu'il doit beaucoup d'argent au fisc. Il doit beaucoup d'argent au fisc. Et en Espagne encore, non seulement il doit l'argent au fisc, il doit encore beaucoup de pensions alimentaires. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il est endetté à hauteur de millions d'euros. Il est endetté à hauteur de millions d'euros. Donc même en Europe, il ne peut pas venir se cacher, mon frère. Il ne peut pas. C'est difficile. C'est difficile pour lui. C'est difficile. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'il est dans l'UNDEM. Il n'y a rien à faire.
Il y a des gens qui vont tout comme d'habitude venir me dire que je m'attaque à Eto'o, vraiment je suis jaloux d'Eto'o, je suis ceci, je suis cela. Il n'y a pas de problème. Sauf que entre ce que vous dites et la réalité, c'est deux mondes très différents. Vous voyez un peu? Oh, vraiment. Non, 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 Paul-Claude, là, je ne suis plus d'accord avec toi. Au lieu de mettre les émojis des étoiles, là, mets les cœurs, tapote comme ça, tapote, tapote l'écran, Paul-Claude, s'il te plaît, tapote juste l'écran. Comme ça, ça met les cœurs. Facebook, pareil, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Beno Fito, le gars est dans un dème qui ne dit pas son nom. Il a... Le ministre des Sports... a joué ce que on appelle encore ça comment le Cora. Le ministre des Sports a coraté Eto'o avec son communiqué d'hier. Il a coraté. On appelle ça le Cora. Il a coraté une fois. Les joueurs de cartes connaissent ce que ça signifie le Cora. Parfait, Dongo. Comment tu dis qu'il va juste se réfugier? Non, on se réfugie déjà dans la prison. Vous êtes mauvais, vous les Camerounais là. C'est le Cora que Mouele Kombi a donné à Eto'o. Le Cora, pam pam, avec son communiqué là. Il lui a expliqué jusqu'à dire au demeurant. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Et pour votre gouverne. Donc, on t'explique le droit que tu ne comprends pas. Tu es là, c'est ça, je ne sais pas. Il y a des grands juristes au Cameroun, mais sérieusement des grands juristes au Cameroun. Eto'o aurait dû s'entourer de personnes compétentes. Il n'allait pas tomber dans ces petits pièges tendus par le régime. Il n'allait pas tomber dedans. Il aurait dû s'entourer de personnes compétentes. Et je ne vois toujours pas en quoi est-ce que Eto'o s'accroche sur la gestion de l'équipe nationale même. Il devait tout simplement dire que, ok, puisque le gouvernement insiste, laissez-les faire. Moi, je m'occupe du football camerounais. Pareil, c'est même ça, ses prérogatives. C'est ça même, c'est pour ça qu'il est président de la FECAFOOT. Il n'est pas président de la FECAFOOT pour gérer l'équipe nationale. Il est président de la FECAFOOT pour gérer le football camerounais et essayer de lui donner une autonomie. Donc, il est dans les batailles inutiles. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, là, en réalité, c'est quoi? On joue combien de matchs par an? Parfois, on peut faire 2 ans sans jouer un match même. Bon, c'est vrai qu'il y a des matchs amicaux et tout, tout, tout. Mais l'équipe nationale, là, c'est quoi en réalité? Ce n'est même pas le genre que le gars est en train de vouloir former l'équipe nationale en prenant rien que des joueurs locaux. Genre, il a besoin vraiment de moyens pour faire monter les joueurs locaux du championnat camerounais. Non. L'équipe nationale du Cameroun, c'est quoi? C'est que le moment venu, on sélectionne les gars qui sont déjà prêts, qui sont déjà bien formés, qui sont en Europe et partout, en Asie, partout, là, en Amérique. On les réunit, 22, 24 ou je ne sais combien. Après, les gars courent un peu là, juste pour se remettre en forme. Ensuite, ils s'en vont jouer un match. C'est déjà des professionnels. Donc, il n'y a même pas un travail au niveau de l'équipe nationale. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Sinon, le gars, il discute quoi? L'État du Cameroun met à la tête de l'équipe nationale un sélectionneur. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est tout, il discute quoi? Selon vous, il discute quoi? Puisque l'argent ne sort pas des caisses de la FECAFOOT, il discute alors quoi? Il discute quoi? L'équipe, en fait, on dit la sélection nationale. On sélectionne ceux qu'on considère comme étant des meilleurs. Et puis les gars vont en compétition. Déjà, il n'a rien changé parce que les joueurs locaux ne bénéficient pas, n'est-ce pas, de cette histoire d'équipe nationale-là. Ils ne bénéficient pas. Sinon, depuis 2000 ou c'est 2022 qu'on a commencé encore les compétitions avec l'équipe nationale, c'est 2021, je ne sais plus. Qu'est-ce qui a changé? C'est toujours la même chose. On sélectionne toujours des joueurs qui jouent loin à l'étranger. Là, ce sont, on pouvait très bien reconstruire l'équipe nationale. Moi, je vous dis, si moi, peut-être, je prends la gestion de l'équipe nationale de football du Cameroun, je suis capable de la reconstruire à partir de rien. Il suffit d'être charismatique, c'est tout. Savoir dire aux gens ce qu'il faut, au moment où il faut, et leur donner leur place. Et surtout, n'oublie pas de les laisser prendre les grandes décisions en ce qui les concerne. Ne pas leur imposer une façon de faire.
Parce que les gens, les hommes ont leur orgueil. Et quand ils sentent qu'on leur fait confiance, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle le management. C'est ça qu'on appelle le management. Un manager, c'est celui qui te pousse sans te frustrer. Il te pousse. Il te fait ressortir le meilleur de toi. Il te laisse prendre de grandes décisions en ce qui te concerne. Et ça te donne la confiance en toi. Et quand tu vas poser des actes, tu pars en toute confiance. C'est ça un vrai manager. Oui. Et tu vas aller prendre des jeunes joueurs du championnat camerounais. Essayez de mettre déjà dans leur tête que vous êtes des pépites. Et c'est vous qu'on va sélectionner si vous jouez bien. Mais les gars vont faire le championnat camerounais, va péter les plafonds. Et tu mets à leur disposition les moyens nécessaires. Les joueurs du football camerounais touchent combien? Ils sont comment? Tu relèves le niveau du football camerounais, tu ressors des pépites. C'est comme ça qu'on redonne au football sa grandeur. Ce n'est pas en venant, en allant sélectionner des joueurs qui sont déjà prêts, leur proposer, leur donner des sommes faramineuses, 50 millions, 100 millions, alors qu'on pouvait donner 5 millions ou 10 millions aux joueurs locaux et les gars allaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on allait dépenser moins d'argent. Même si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. On se forme. On se forme. On se forme. Et après, à un moment donné, on va gagner. Le problème au Cameroun, c'est qu'on veut vite manger sans pouvoir essayer de travailler. Et c'est pour ça qu'il faut un nouveau régime à la tête du Cameroun. Parce que tout est grillé au Cameroun. Même la FECAFOOT que vous voyez là ne peut jamais bien fonctionner s'il n'y a pas changement au sommet de l'État. Le simple fait que Eto'o lui-même vous dit que les grandes décisions du football camerounais, là, surtout en ce qui concerne l'équipe nationale, surtout en ce qui concerne l'équipe nationale, ça vient de la présidence de la République. Ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que la présidence de la République a à voir? C'est justement parce que le football est un très gros moyen de distraction. À l'époque, quand vous voyez, il y avait des gladiateurs dans l'arène, c'était pour distraire le peuple, que le peuple ne s'intéresse pas aux vrais problèmes de la société. Quand on sentait que le peuple voulait déjà un peu gronder, on organisait les jeux. Ça vient, de la Rome antique. On organisait des jeux. De où c'est la Rome antique ou la Grèce antique, je ne sais plus trop. Mais on organisait des jeux. C'est pour distraire le peuple. Et c'est pour ça que la présidence de la République du Cameroun a un attachement fondamental à l'équipe nationale de football au Cameroun. Parce qu'ils savent que l'équipe nationale de football au Cameroun, c'est l'une des plus grosses distractions. Ensuite, il y a l'alcool, la bière. On vend la bière aux Camerounais à tout va, sans restriction. Ici, quand tu achètes déjà un certain nombre de bières, on refuse de te vendre. Mais au Cameroun, tu peux acheter 2 casiers, 3 casiers pour boire. On vend seulement. Tue-toi, on s'en fout. Pourquoi? Eh bien, c'est aussi un autre moyen de contrôle des masses. Au fur et à mesure que le temps passe, plus les problèmes des Camerounais augmentent, plus ils boivent de l'alcool et mieux ça arrange le système en place. Chaque année, le taux d'alcoolémie ne fait qu'augmenter au Cameroun. Nous avons une population malade. Vous avez une population qui boit plus d'un milliard, 100 millions de litres de bière. Et ça, c'est même des chiffres juste publiés par les brasseries. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont déclaré. Sauf que si on veut aller regarder, c'est au moins fois deux. C'est au moins fois deux. Et comme tout bonne entreprise, pour déclarer aux impôts, on déclare le moins possible. On déclare le moins possible. Donc, si vous allez regarder, c'est au moins fois deux. Parce que faites les calculs, les Camerounais boivent comme des malades, des psychopathes de la boisson. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent pour manger, mais il ne manque pas l'argent pour boire au moins ses 2-3 bières chaque jour. Et ils sont déjà tous des alcooliques. Et ils pensent que c'est un jeu, que c'est une blague. Et en plus d'être des alcooliques, ils sont malades. Parce qu'à force de boire les bières, tu développes des maladies cardiovasculaires. Et consorts. Tu développes aussi cette maladie qu'on appelle le diabète parce que la bière, c'est extrêmement de sucre. Ils sont venus vous tromper en disant que la Guinness c'est bien, la Guinness soigne, la Guinness c'est moins de sucre. Non, si la Guinness est amère, c'est bien parce que le sucre est extrêmement concentré, autant pour moi.
extrêmement concentré. C'est le sucre extrêmement concentré qui donne la Guinness que vous voyez là. Et donc, à force de boire la Guinness tous les jours, ça augmente excessivement votre taux de sucre dans le sang. Et quand votre taux de sucre de sang, dans le sang augmente excessivement, votre corps développe ce qu'on appelle une résistance à l'insuline à un moment donné. Et quand le corps développe la résistance à l'insuline, ça veut dire que votre corps ne peut plus transformer le sucre. Et donc, le sucre s'en va se stocker dans les vaisseaux, la graisse, partout. Et c'est ce qu'on appelle être diabétique. Surtout de type 2. Parce que diabétique de type 2, on le devient beaucoup plus par rapport à notre alimentation et tout ça, notre quotidien. On le devient un peu plus chaque jour. Et votre corps n'arrive plus à diluer le sucre dans le sang et c'est bon. Et la plupart du temps, dans nos pays là-bas, puisque les gens ne font pas les examens, ils se rendent compte de leur situation quand il est trop tard. Alors que c'est quelque chose qu'on peut très bien remédier. Quand tu découvres ça tôt, on remédie ça vite. Oui. Vous savez, le meilleur moyen de cacher quelque chose à un noir, c'est de le mettre dans un livre. L'homme zanois, contrairement à toi qui passe le temps à regarder les fesses des enfants sur les TikTok, sur les réseaux, bien qui passe le temps sur les sites pornographiques là, contrairement à toi, moi je lis et je lis beaucoup. Donc on n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre le fonctionnement de certaines pathologies. Je lis et je lis beaucoup. Et si tu veux, tu prends la parole, tu te mets là. On met peut-être 5 paragraphes devant nous et chacun lit. On met 5 paragraphes et chacun lit. Quand je le reprends dans sa bêtise, il vient demander, tu me connais où toi? Toi, tu me connais où? Pour t'adresser à moi. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas médecin? Qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas médecin? C'est toujours ça la stupidité de l'homme noir. On parle de quelque chose qui peut sauver des vies. L'ignare vient se faire voir. Et le médecin, après il dit, tu me connais où? Les choses des enfants de la maternelle. Ils n'ont rien à faire, ils sont toujours en train de se balader sur les réseaux sociaux à s'attaquer aux gens. Parce que tu me vois en train de parler sur Internet, tu crois me connaître. Chèvre de brousse, bloque-moi les bêtises. Maintenant, il vient dire, c'est pour ça que je demande, c'est pourquoi je te demande. Ta demande est timbrée. Et bimenou et lent. Maintenant, tu vas me regarder sans pouvoir commenter, ça va te servir de leçon. Et si tu n'es pas content de ce qu'il dit, si tu dégages, personne ne t'a appelé. Voilà, il est sorti du live, il revient, il sort, il revient, il voit qu'il ne peut pas toujours commenter. Ouais, quand quelqu'un est ignare, c'est comme ça. Maintenant, je peux t'insulter comme je veux, tu ne peux même pas faire un commentaire. Tu vois que qui dépasse qui. Va faire une direct sur toi, chez toi, sur ta page, et tu m'attends, j'arrive. Tu ne me verras jamais chez toi, et c'est là où je te dépasse. Chèvre de brousse. C'est les choses comme ça là que on arrive en brousse, on attrape, on découpe, on braise, on mange, dis donc. Donc, en fait, j'étais en train de parler du taux d'alcoolémie au Cameroun qui conduit à plusieurs autres maladies, y compris les maladies cardiovasculaires, les AVC, tout ça. L'alcool que vous entendez là, c'est quelque chose de très dangereux pour le corps humain. Et au Cameroun, je parle du Cameroun parce que je connais mon pays, les Camerounais sont devenus alcooliques. Et quand on dit que tu es alcoolique, c'est que tu es malade, mon frère. Tu dois passer en cure de désintoxication. Le professeur Baébec a demandé que mon frère, on va faire comment avec un pays où tout le monde est sous à tout moment. Les gars, vous êtes sous à tout moment. Tout le monde est sous à tout moment. Et l'alcool, la bière que vous buvez tous les jours, là, c'est un poison. Et là, on ne parle que de la bière. Parce que le whisky, le vin rouge et les whisky en sachet, le haki, ou bien le dontol, les trucs comme ça, ce n'est même pas comptabilisé. En campagne, ça fait rage. Les whisky en sachet, là, c'est la magie. C'est la magie. Et en campagne, c'est-à-dire dans les villages là-bas, ça fait rage. Le dontol, le bilibili, le haki.
toutes ces boissons traditionnelles là, ça fait rage. Le whisky en sachet vient alors coiffer le tout. 100 francs, 150, le gars attrape un sachet, il se détruit les poumons, il se détruit le foie, il se détruit le pancréas, il se détruit l'organisme. Et ça, c'est bien pour le gouvernement. Je vous avais fait une vidéo, je vous avais soufflé que les brasseries là que vous voyez là, les gars mettent quelque chose dans l'alcool au Cameroun qui vous pousse à boire encore plus qu'ailleurs. L'alcool ici ne te donne pas l'envie de trop boire. Par contre, au Cameroun, là-bas, quand tu prends une bière, oh mon frère, si tu ne prends pas la deuxième bière, c'est que c'est les problèmes. Par contre, ici, là, c'est comme si quand tu bois une bière, tu bois une deuxième. Mon frère, tu ne veux plus boire. Oui. Et même quand tu veux aller acheter, on te dit qu'on ne te vend plus. Au Cameroun, c'est l'inverse. Quand tu as déjà bu une bière au Cameroun, oh mon frère. Et donc, le chimiste là m'a dit que ces gens-là, ils mettent quelque chose dans la boisson là. Ce qui va t'inciter à boire encore plus. Et c'est pour ça que le taux d'alcoolémie augmente comme ça. C'est pour ça que le taux de consommation de bière au Cameroun augmente comme vous êtes allé au niveau où vous êtes en train de voir là. Comment est-ce que dans un pays comme le Cameroun, avec moins de 30 millions d'habitants, on peut boire 1 milliard 100 millions de litres de bière, parce qu'il y a les vins rouges, il y a les whisky, il y a les... Mais là, on parle seulement de la bière. 1 milliard 100 millions de bière. 1 milliard 100 millions de litres. Donc, 1 milliard 100 millions d'euros. Par an. Et ça va crescendo, parce qu'une année, c'était 600 milliards. Après, l'autre année, c'était 700 milliards. Après, on est quitté de 700 milliards à 1 milliard, 700 millions, autant pour moi, 1 milliard une fois. Donc, 600 millions, 700 millions, 1 milliard et poussière. Et là, c'est toujours les brasseries qui publient les chiffres. Donc, ça veut dire que les gars publient au moins la moitié. Mais les gars, vous ne voyez pas qu'il y a un sérieux problème? Et donc, voilà les éléments que le régime actuel au Cameroun utilise pour l'abrutissement du peuple. Football, bière. Voilà. Donc, les gars, vous savez, moi je termine ma vidéo en disant que il faut absolument que chaque Camerounais, pour les élections à venir, se munissent de sa carte d'électeur et qu'il aille voter. Vous m'avez vu, j'ai publié une vidéo aujourd'hui, ce matin, où j'ai vu, il y a un jeune blogueur là qui est fâché parce qu'il y a des gens qui sont venus lui dire qu'il ne faut plus qu'il parle d'inscription sur les listes électorales, parce qu'il parlait beaucoup d'inscription sur les listes électorales. Les gens sont venus lui dire non, ne parle plus, ne parle plus, ne parle plus. Et maintenant, il y a une autre personne qui est venue lui dire parle. Il s'est donc fâché contre la personne en disant « Quand je parle, vous me dites de ne plus parler, donc je ne parle plus. Faites comme vous voulez avec Bia. » En fait, ceux qui viennent vous décourager de vous intéresser à la politique et consorts, ce sont eux-mêmes là qui partent massivement s'intéresser à cette politique-là pour mettre leur champion à la tête du Cameroun et comme ça continuer de profiter de leurs avantages. Vous voyez un peu. Donc, plus vous vous découragez, vous vous désintéressez, eux, ils peuvent truquer les élections, ils peuvent voler les élections, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si Popol est président aujourd'hui, c'est du fait de 1 million de Camerounais. Pas plus, hein. 1 million de Camerounais. Pourtant, vous êtes quand même au moins 17 millions à l'âge de voter. Mais il n'y a que 1 million de Camerounais. Et regardez, observez bien le comportement du régime de Popol. Les gars vous désintéressent au vote, ils vous disent que c'est à 21 ans qu'on peut aller voter. Mais à 18 ans, on est déjà pénalement responsable. Non, normalement, à 18 ans, si on est pénalement responsable, on devrait pouvoir voter. À 18 ans, si on est pénalement responsable, ça veut dire qu'à 18 ans, on peut aussi décider de qui dirige le pays. Les gars font tout pour restreindre la capacité de vote. Ça ne vous dit rien. Au Sénégal, quand tu obtiens ta carte d'identité est aussi la carte de vote d'électeur une fois. Au Sénégal, c'est comme ça.
La carte d'identité est égale à la carte d'électeur. Une fois au Sénégal, c'est comme ça que ça marche. Donc, on ne fait plus les tracasseries aux Sénégalais du genre, tu vas d'abord faire la carte d'identité, ensuite tu vas faire la carte d'électeur, les bêtises comme ça, juste pour freiner les gens dans leurs élans. Non. Au Sénégal, ta carte... Donc, quand tu pars faire la carte d'identité, là, c'est ta carte d'électeur que tu fais une fois. Mais ce n'est pas grave que les Camerounais massivement intéressez-vous. En diaspora, allez, réunissez-vous dans vos ambassades et imposez-leur qu'ils doivent vous inscrire sur les listes électorales. Et quand ils vous ont inscrit, n'est-ce pas, sur les listes électorales, vous gardez jalousement votre récépissé. Parce que les gars font souvent, ils ne vous donnent pas les cartes. Donc, gardez jalousement votre récépissé. Et si vous arrivez devant les bureaux de vote, là où vous êtes censé voter, vous ne voyez pas votre nom. Ce n'est pas grave. Restez là. Restez là et attendez. Et quand on finit de voter, vous veillez à ce que le résultat des urnes soit dit. Si le résultat des urnes dit que c'est Popol qui a gagné, tant pis. Hein. Soit on accepte, mais on veut que ce soit le résultat des urnes. On ne veut plus les élections préfabriquées ou bien les décisions préfabriquées par Elecam. Non. On connaît que Elecam est en faveur du RDPC. On connaît que le Conseil constitutionnel est en faveur du RDPC. On connaît tout ça. Maintenant, tout ce que nous on demande, c'est que la vérité des urnes soit dite. C'est tout. Si la vérité des urnes dit que c'est Popol, tant mieux. Même si ce sera invraisemblable, mais j'ai dit tant mieux. Mais si la vérité des urnes dit que c'est un opposant, mon frère, les gars, tout le monde doit se mettre derrière l'opposant là pour renverser le régime. Tout le monde doit se mettre. Et j'interpelle encore les journalistes camerounais, c'est vous qui devez être les premiers à relayer les tendances électorales. Vous devez être ceux-là qui disent la vérité aux Camerounais. Donc, vous devez veiller. Mon frère, il n'y a pas les scrutateurs aux États-Unis, il n'y a pas les scrutateurs dans les grands pays. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas les... On n'a pas besoin des scrutateurs. Les gens ont besoin d'aller contrôler parce qu'on sait qu'il y a des voleurs. Vous, les journalistes, vous pouvez être les scrutateurs. C'est-à-dire que vous, la caméra ne manque pas. La caméra est là, vous filmez. La caméra ne manque pas. Vous filmez, vous relayez tout ce qui se passe dans tous les bureaux de vote. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Le même soir, même on connaît déjà le vainqueur. Le même soir, dans un pays qui a plus de 300 millions d'habitants, on connaît déjà le vainqueur. Parce qu'il y a les journalistes partout, dans tous les points de vote. Les résultats sont relayés au fur et à mesure, à la seconde qui suit. Mais au Cameroun, on est là, on a des journalistes qui sont toujours là en train d'attendre qu'il y ait un fait de société pour commenter. Vous êtes des commentaires de l'actualité, vous n'êtes pas des journalistes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On vous a parlé de l'enquête de One Sport. Quel journaliste camerounais est parti enquêter sur One Sport? Quel journaliste camerounais est parti enquêter sur David Medelson? Ou c'est David ou c'est Daniel? David Medelson, le pseudo-président de One Sport. Quel journaliste camerounais est parti enquêter sur les contrats soi-disant signé par la FECAFOOT et One Sport? Quel journaliste l'a fait? Lequel? Le Cameroun est à ce niveau parce que même au niveau du journalisme, les gars se sont juste soumis au fonctionnement du pays là, au fonctionnement frauduleux. Donc redevenez des vrais journalistes d'investigation et voilà. Donc les gars, non, ce soir encore sur TikTok, là, je ne prends pas les gens. Ce n'est que le week-end que je prends les gens sur TikTok. C'est-à-dire quand je dis le week-end, c'est à partir de demain. Nous sommes quand même. Ouais, ce n'est que dimanche que je prends les gens sur TikTok normalement. Voilà. Dimanche ou alors en semaine. Mais ces jours-ci, là, je voulais juste faire des clarifications sur... je ne veux pas faire le live pendant très longtemps. J'ai déjà fait à peu près 2 heures. C'est déjà même beaucoup. Je comptais faire 1h30 seulement. Il a fait presque 2 heures, c'est beaucoup. Quand on prend les gens, il faut prendre au moins 3 heures ou 4 heures, mon frère. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, la famille, voilà un peu. On attend maintenant, n'est-ce pas, le combat entre la Fecal Food et les anciens combis. Hein? On attend le combat, ça va aller vite. On voit un Samuel Eto'o qui s'oppose aux décisions de Popol. C'est le Mami Pi, le gars là est fort. Et t'encourage, mon gars. Comme ça, quand les gens là vont t'arrêter, les Camerounais vont sortir dans les rues pour manifester. Et comme ça, on va profiter pour renverser le régime là une fois. Vous ne voyez pas que c'est la meilleure stratégie. Voilà, donc depuis là, on était là, on se battait. Pourquoi? Passez une bonne soirée, les gars. C'était Marc Senior. Je reviendrai très certainement.